Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Attends, ça met en attente de Cana. Ouais, ça T'as m'en pas un attend. bouton? Ouais. Normalement, t'as Ouais. un bouton appuyé pour lancer le live. Là, c'est bon. Ah, c'est bon? Normalement, on est en live, on est en direct là. Ouais, c'est bon. Vous nous entendez bien? Pour faire un petit test, parce que bon, pour voir si tout va bien, parce que Ouais, malheureusement, ça chez a l'air nous, d'être bon. ouais. Chez nous, il y a beaucoup d'orages. Ouais, non, c'est bon, ils entendent Bonsoir. bien. On nous entend? Apparemment, oui. Ouais, parce que j'écoute aussi le live en même temps. Donc il y a un petit décalage, mais on entend quand même. D'accord. On ne vous cache pas que c'est un live un petit peu improvisé, hein. On devait le faire un petit peu avant ou après, mais tout du moins se préparer. On ne prend pas la coupable. Mince, c'est pas sa faute. Alors, on voulait vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de notre vidéo, ce que vous avez pensé de cette triste histoire au niveau de Lisanne Fraune et... non, si. Lisanne Fraune et Chris Kremer, je vais y arriver. Hein. Je vois si je commence à faire des erreurs sur les prénoms. Et On a fait puis, une petite longue. on attend que tout le monde arrive. Donc, je vous présente ben, la chaîne de Lina 911 pardon, et celle d'Amanti. Salut. Hello. Donc, Amanti, on lui va lui laisser la parole, si elle peut présenter un peu sa chaîne. Bah, bonsoir à tous. Je m'appelle Madame Amanti et je publie depuis la fin du mois d'octobre de l'année dernière des vidéos sur des faits alors, de disparition et de crimes non résolus. C'était ce que je faisais au départ. Puis maintenant, je raconte certaines fois. Quelques fois, quelques rares fois, des cas d'affaires résolus, parce que bah, il y en a quand même, hein, malgré tout, qui restent quand même intéressantes, puis à ne pas oublier aussi. Voilà. Je Très bien. pense que c'est bon. Et la chaîne de Lily, si elle peut se présenter, si elle est toujours là. Ben, bonsoir à tous. Alors, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, je vais me représenter. Moi, je fais un peu de tout sur ma chaîne. Je fais un peu de paranormal, un peu de creepypasta, parce qu'il y en a qui aiment. Je fais des disparitions et du true crime. Et je me suis lancée dessus car j'aime bien tout ce qui est enquête et tout, ce qui est énigme. J'aime bien. Et voilà, c'est tout. Je regarde un petit peu les messages. Bonsoir René, bonsoir Clara. Merci beaucoup Clara, c'est gentil. Ben justement, Clara, comme tu parles de cette vidéo, quelle est ton hypothèse sur cette affaire, cette triste affaire? Puis après, on demandera à Manti et Lily de nous dire. Que finalement, il y a beaucoup de choses à en dire sur cette affaire particulière. Ben disons qu'il y a beaucoup de théories, soit la piste accidentelle, malheureusement la piste criminelle. Bon, on va commencer par le temps qu'on reçoive les messages. Amande, si tu en penses quoi, quelle est ton opinion? Bah, c'est vrai que la piste criminelle est plus intéressante. Il y a plus de choses qui laissent penser que c'est un crime quand même. Rien que l'état dans lequel on a retrouvé leur squelette, hein, quand même, qui était blanchi. On a vu, je crois que tu avais montré en photo des images d'un squelette qui avait été exposé aux éléments lors de la décomposition du corps et le squelette qu'on a retrouvé de Chris, en fait. Et on voit vraiment que le sien est vraiment très très blanc, comme si qu'il avait été nettoyé, en fait. Oui, c'est sa côte, c'est qu'on a retrouvé. Oui, voilà. Donc ça laisse à vraiment à penser qu'on a nettoyé le corps. Et qu'on a déposé bah, ce qui restait de son corps, en fait, peut-être qu'on l'a jeté dans l'eau, et que le squelette s'est dispatché peut-être dans l'eau, et qu'on a retrouvé malheureusement bah, qu'un tout petit bout de Chris, en fait. On a retrouvé quoi? Deux ou trois ossements maximum. Donc,
ça montre plus les hypothèses criminelles plus que bah elles ont glissé parce qu'elles étaient fatiguées, elles se promenaient de nuit ce jour-là et puis elles sont tombées dans l'eau, elles ont eu un gros accident et puis elles se sont noyées, et puis les éléments ont nettoyé le corps en fait. Ça. Et puis le sac s'est posé comme un petit papillon sur la berge, tout beau, tout sec, tout propre aussi. C'est ça que c'est super bizarre aussi. C'est ça. Tandis que la femme avait dit que le sac n'était pas là. Hein. Bon, après, bon, bien sûr, elle a pu se tromper, ne pas le voir. Mais bon, quand même, c'est assez troublant qu'un sac reste comme ça pendant bah, des semaines, même des mois, si mes souvenirs sont bons, sans être abîmé, l'humidité ou autre chose. Ben voilà. Ouais, c'est pas aussi bon état, ouais. C'est pas aussi bon. C'est pas aussi propre en bon état, hein. Oui, c'est ça. Déjà au bout Surtout de 2 mois, 3 mois, le sac. si elles étaient vraiment tombées dans l'eau, bah les portables, déjà, ils n'auraient pas été réutilisables. L'appareil photo non plus. Donc, En parce qu'ils auraient été plus. complètement noyés. Donc, Ça. ça. On a l'impression plus que quelqu'un a posé le sac là, peut-être pour qu'on recherche, en fait, les corps. Aussi, Oui, hein. c'est possible aussi, ouais. Oui, comme dit Hervé, là, sur, je vois dans le commentaire, Oui, il y a il y une a photo. oui. Bah, Oui, effectivement, de là. toute façon, cette photo, il a fallu avoir soit un ordinateur ou soit quelque chose, hein, Oui, forcément. c'est ça. Oui, on l'a pas supprimé directement depuis l'appareil photo. Bah, tu vois dans le Alors, à commentaire, ce que l'eau, moi, il y a... je suis tout à fait d'accord. Avec Clara? Oui. Bah, Ouais, après, c'est ce que j'allais dire. je ne dis pas ce que c'est le guide, hein. Mais par contre, qu'elles ont été séquestrées dans une cabane pendant quelques temps et après, malheureusement, voilà, tuées et après mises sur le sentier, ça, effectivement, moi, c'est mon hypothèse. Bah, après, ce qui pourrait du coup étayer l'accident, c'est, imaginons, elles se perdent, elles sont vraiment perdues dès le premier en fin de journée. Et elles se sont mises à, bah, dire, à se loger dans des cabanes abandonnées sur le sentier, en fait, pour être protégées des intempéries, tout ça, et pour dormir tranquillement aussi. Peut-être manger et se laver. Parce que quand on voit la photo de la tête de Chris, ok, il y a peut-être des petites taches de sang, peut-être parce qu'elle est tombée, mais les cheveux ont l'air à peu près propres, ils sont pas gras, ils sont secs et pas détrempés non plus, quoi. Donc un peu comme si elle s'était douchée quelque part et qu'elle avait séché ses cheveux. Mais moi, je Oui, pense que le guide, effectivement. moi, je pense que pour moi, le guide, il a quelque chose à voir dedans. Vu que déjà, il y a beaucoup de touristes qui se sont plaints qu'il était déplacé. Moi, je pense qu'il a quelque chose à voir là-dedans, ce guide. Ben, c'est vrai que l'endroit où on a trouvé le sac, ça laisse penser plus que la personne se sentait quand même coupable en fait qu'on ne retrouve pas les filles. Puis il a posé le sac en vue pour que quelqu'un le retrouve en fait. Peut-être mettre C'était sur une possible mauvaise aussi. piste aussi. Hein. Bah, il a quand même posé le sac. La personne a quand même posé le sac à quelques kilomètres du short et des Pas ossements, en faux. fait. Ouais, effectivement. Après, je rebondis sur. Je remonte dans le chat. Par rapport au téléphone. Oui, pourquoi leur avoir laissé les téléphones? Oui, effectivement, ça paraît invraisemblable d'ailleurs. Mais. Je ne sais pas. Peut-être qu'éventuellement, elles ont caché leur téléphone. Ou, bon, après, je ne dis pas que c'est, entre parenthèses, les meurtriers qui sont amusés avec les téléphones. C'est appelé le 911 entre nous ou le 112. Je vois pas l'intérêt. Mais après, quand les téléphones n'ont plus du tout de batterie, c'est peut-être là qu'elles ont eu un problème. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Oui, effectivement, Clara, effectivement, dans la jungle, le réseau. Et Oui, quasi. à moins d'avoir un satellitaire, oui, t'as pas de réseau. Bonsoir, Salamata. Je ne sais pas, de toute façon, cette histoire est terrible et troublante à la fois. Et pour moi, de toute façon, il est invraisemblable que ça soit un accident. Après, bon, je ne dis pas que j'ai raison, mais non, j'arrive pas à me convaincre que ça peut être un accident. Bah moi non Non, plus, c'est parce que sinon moi le non sac n'aurait plus. pas été là, en fait.
Non, puis il y a quand même la piste du chien aussi. Le chien, nous, on a réussi au niveau d'une enquêtrice de savoir que le chien avait suivi déjà un autre couple. Et le chien avait attendu le couple est bien revenu et tout. Là, le chien est revenu tout seul. Pourquoi elles n'ont pas suivi le chien ? C'est ça. Mais, voilà. Après, il y a quand même des choses qui sont très, très surprenantes. Pourquoi ne pas avoir laissé de message à leur famille aussi ? Pas de message d'adieu, ça aussi, c'est surprenant. Ouais. Voilà. Qu'elles avaient quand même elles avaient l'appareil photo, elles avaient leur portable. Alors certes, ils n'avaient pas beaucoup de batterie, mais ils auraient très bien pu laisser même un message texte. En fait. Surtout que tu as besoin, en principe, quand tu quand t'es pas bien et tout, tu as besoin de parler. Bon, si malheureusement, on suit peut-être les idées de certaines personnes qui ont fait cette vidéo, que Chris serait décédé bien avant Lisanne, si Lisanne s'est retrouvée seule dans la jungle, elle avait peut-être éventuellement besoin de parler. Bon, c'est vrai qu'elle a peut-être voulu économiser la batterie, mais... Je sais pas, il y a plein de choses quand même. Et après, les parents de Chris sont retournés dans la jungle, ont fait exactement le même chemin. Ben, ils supposent qu'ils ont refait le même chemin. De toute façon, il n'y a pas 50 chemins. Ils n'arrivent pas à comprendre, de toute façon, comment elles ont pu se perdre. C'était quasiment impossible. Puis après, quand même, il faut savoir aussi que toutes les recherches qu'il y a eu, de nuit même, appelées avec des lumières et tout, en principe, bon, quand même, ils ont eu l'honnêteté de le dire, même la police là-bas, sachant qu'ils n'ont pas fait entre nous énormément de travail là-dessus, mais bon, ils ont quand même eu l'honnêteté de dire que s'il y avait eu quelqu'un dans la jungle, ils auraient forcément vu les lumières et entendu les voix. Ben oui, c'est ça. Et pourtant, ils n'ont pas réagi. Voilà, il y a des choses qui se... Je ne sais pas. Il y a Hortax qui dit bonsoir. Bonsoir, Hortax. Bonsoir. Oui, ben, ça l'a... Salamata, pardon, excuse-moi de d'écorcher ton prénom. Non, mais je suis d'accord, elles ont appelé le 911, et, bon, au départ c'est le 112, mais à mon avis, à cause du manque de réseau. Mis à part un appel qui a passé, mais à cause, je crois, du tremblement de terre ou je ne sais pas quoi, ils n'ont pas détecté le signal d'appel. Je crois qu'il y a un seul appel qui a pu passer. Ah, d'accord, ok. Elles n'ont pas, vraiment pas eu de chance, quoi. Non, vraiment pas. Puis ensuite de ça, il ne faut quand même pas oublier que sur ce sentier, il y a quand même beaucoup de touristes et beaucoup de locaux. Elles ont forcément croisé du monde, quoi. C'est ça. C'est pas comme si c'était une jungle complètement loin et sans personne. Parce qu'il y a indigènes, des gens qui habitent là-bas. C'est pas un truc sauvage abandonné, quoi. Il y a des gens qui y vivent et puis qui savent très bien qu'il y a des touristes qui passent régulièrement, quoi, quasiment tous les jours. C'est ça. On aurait retrouvé leur corps une journée ou deux jours après. Bon, on serait... Bon, effectivement, elles sont tombées sur personne, malheureusement, voilà. Mais elles sont restées longtemps dans la jungle, quand même. Oui, alors qu'elles avaient techniquement pas beaucoup de vivres. Ben non. Et pourtant, elles ont tenu jusqu'au 11. C'est ça. Du coup, sans rencontrer personne, sans retrouver leur chemin. C'est ça. Parce que même si au pire des cas, Chris ou Lisanne, n'importe, étaient blessés, je veux dire, il y en a une des deux. Bon, ça serait vraiment un coup de pas de chance que les deux soient blessés au même moment. Oui. Mais non, c'est quand même incompréhensible. Il y a plein de choses quand même qui sont incompréhensibles. Mais moi, je pense vraiment qu'au début, elles ont croisé personne. Qu'elles sont vraiment perdues à partir de... À 16h40, il s'est passé un truc juste avant, donc vers 16h, et elles ont commencé à appeler les secours. Et à mon avis, elles se sont réfugiées dans des cabanes, et ça arrive même aux États-Unis, les petites cabanes comme ça d'hiver, il y a des vivres, il y a de l'eau, il y a à manger. Donc elles sont tenues comme ça, en fait. Ouais, pour moi, je sais pas. Moi, je pars quand même du principe qu'elles étaient séquestrées quelque part. Mais c'est vrai que leur avoir laissé les téléphones, ça paraît un petit peu surprenant, mais elles les avaient peut-être cachées, je sais pas. Bah, elles les ont peut-être cachées, mais peut-être que pendant quelques jours, elles étaient seules, et puis un jour, elles sont tombées sur quelqu'un. C'est ça. Ou un groupe, et c'est tout. Comme l'Allemande qui s'est fait agresser alors qu'elle a erré toute seule 3 jours. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas que l'Allemande. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop approfondi, il faudrait refaire une vidéo sur d'autres disparitions. Il y a quand même un jeune qui a disparu, qui n'a jamais été retrouvé non plus, et qui a fait a priori le même sentier que Lisanne et Chris. Il y en a beaucoup. Hein,
Après, c'est vrai que là-bas, bon, j'aime pas juger, mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. La police est un petit peu, bon, un petit peu beaucoup, avec le tourisme et tout, ils cachent beaucoup de choses. Ah, mais le problème, c'est que les gens ont quand même disparu, on a retrouvé leur corps, donc les gens se méfient quand même un petit peu plus, quoi. Je sais pas. Bonsoir, Joël. Je sais pas, mais c'est il y a trop de choses qui sont quand même très, très troublantes. Après, moi, je peux comprendre que les parents ne veulent pas la thèse de l'accident. J'y crois pas non plus à la thèse de l'accident. Hein, donc, Je pensais à la thèse de l'accident. J'y crois pas à cette thèse. Ce qui ne va pas avec l'accident, c'est l'état du sac et le fait que les téléphones et l'appareil photo ne se soient pas noyés, en fait. Si elles sont tombées à l'eau, Oui, et puis la photo, introuvable. Et puis il y a aussi les eaux, ça ne remonte pas à la rivière, je suis désolée. Bah oui, voilà. Bah, la rivière, pourquoi la côte de Chris était-elle autant blanchie? Ouais, ça aussi, ouais. On a plutôt des experts médico-légaux qui ont dit qu'il y avait eu quelque chose. Il y a quelque chose qui a blanchi son squelette. Alors, hors taxe, pourquoi avoir pris un chemin hors des sentiers? Alors, je crois pas qu'elles, je crois qu'elles sont restées sur le chantier, sur les sentiers, pardon. Elles ont passé le sommet du Mirador, mais à l'époque, il n'y avait pas de panneau qui indiquait aux touristes, en fait, qu'en fait, il fallait pas, il fallait revenir sur le chemin, il fallait revenir en arrière et non faire tout le tour, en fait. Parce que en continuant, ça, elles seraient pas revenues au même endroit. Elles auraient dû revenir sur leur pas. Mais il n'y avait pas d'indication à l'époque, en fait. Il y a eu après leur disparition. Il y a eu après, mais avant, il n'y avait pas. Donc, ça pouvait arriver que les touristes, effectivement, passaient et continuent leur chemin en pensant qu'ils allaient rejoindre leur point de départ. Mais en fait, non. C'est ça. Il y en a plein de touristes, ils avaient dit avant leur disparition, qui se trompaient, qui continuaient tout droit et puis qui pensaient que ça tournait en rond. Mais en fait, non. Non, pas du tout, non. On s'enfonce, ça s'enfonce dans une réserve ou un truc comme ça, je crois. Mais non, maintenant, quand tu es perdu, bon, après, c'est facile à dire, hein, effectivement, hein, on n'est pas dans, malheureusement, on n'a pas été dans ce cas-là. Mais quand tu es perdu, en principe, la logique, c'est soit suivre une rivière, soit de faire du. Ouais, c'est ça. Et après, j'arrive pas. Comment ça se fait qu'elles n'ont pas fait demi-tour? Ouais, logiquement, mais après, c'est vrai que le contexte peut être un peu stressé. Il faisait chaud. Est-ce que nous, dans cette situation, c'est vrai, est-ce qu'on n'a jamais été dans cette situation? Mais est-ce qu'on pense à revenir en arrière? Je ne sais pas. J'ai jamais été dans cette situation. Normalement, le corps humain, le cerveau, fonctionne comme ça. Hein. Tu reviens sur tes pas. Normalement, tu l'as dit. Oui, normalement, mais je pense sous le coup du stress, elles ont continué tout droit, en fait. Après, je l'ai appris parce que j'ai regardé la vidéo depuis le début. L'une de vous a dit que, je crois que c'était Lisanne, je crois, qui sentait pas trop bien dans sa peau, qui voulait se prouver des trucs, en fait. Enfin, qui voulait se détacher un petit peu de ses proches ou ses crises, je sais plus. Non, enfin, peut-être qu'elles sont allées tout droit parce que Lisanne a dit on va tenter le coup. On va partir à l'aventure un petit peu, puis on va revenir dans la nuit. Peut-être. Hein. Alors, attendez, on va répondre à Moumoun. Et la dernière photo où on voit une des filles près d'un ruisseau. Alors, c'est la dernière photo, c'est Chris qu'on voit. Oui, effectivement, elles sont toujours sur le sentier. C'est vraiment la dernière photo qui est, entre parenthèses, normale. Parce qu'après, c'est les photos de nuit. Avant qu'il se passe quelque chose. Avant qu'elle commence à appeler les secours, en fait. C'est ça, exactement. Avant qu'elle commence à se dire, je ne sais pas où on est, je ne sais pas ce qui se passe, on appelle les secours. Oui, bah c'est là où, à mon avis, elles ont commencé à paniquer parce qu'elles ne retrouvaient pas leur chemin. Hein. Oui, il paraît, oui, Clara, il paraît qu'il y a malheureusement encore des tribus cannibales qui se trouvent dans le coin. Après, manger, je ne sais pas, parce que les os étaient quand même intacts, que ce soit au niveau animal ou humain, ça fait drôle de dire humain, mais malheureusement, ça existe. Les os étaient vraiment intacts. Hein. C'est ça. Comme si qu'ils avaient été
Bah, cuit, en fait. C'est Bonsoir, ça, Lisette. hein. Ben, oui, puis parce qu'on aurait pu dire une attaque parce qu'il y a des animaux quand même hein, dans cette jungle. Mais a priori, ça a été écarté parce que les os, ben, le peu de squelette qu'on a retrouvé était intact. Oui, c'est ça, il n'y avait pas de grosses traces de traumatisme, pas de traces de crocs, pas de traces de griffes profondes, quoi. Puis on aurait trouvé d'autres morceaux du squelette un petit peu partout dispersés. Ben, disons qu'on n'a pas retrouvé déjà tout le squelette, donc ça paraît aussi un petit peu. Bah, Lisa en a retrouvé juste son pied en entier, ses 23 os, et puis sa jambe gauche. C'est tout. En fait, quand tu regardes, on a trouvé bah, toute la jambe gauche avec le pied. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Alors, hors taxe, pour vous, que signifie cette photo étrange avec du papier d'aluminium et du rouge? Alors, ça a été dit qu'a priori, ça serait les filles qui auraient mis ça là parce qu'on a retrouvé exactement les mêmes sacs plastiques dans leur chambre. Alors après, je ne sais pas hein, si c'est le cas ou pas, mais effectivement, apparemment, c'est des bouts de sacs plastiques qui ont été retrouvés et elles avaient exactement les mêmes dans leur chambre. Alors après, pourquoi avoir fait ça? Peut-être pour être sûre qu'elles sont passées par là, peut-être Je des pense que points. c'est ça. Marquer leur chemin en fait. C'est ça, peut-être, oui. Elle se met des petits cailloux pour qu'on les retrouve. Ou alors elle pour se retrouver. Après, la thèse du guide, effectivement, ce guide-là a une très mauvaise réputation parce qu'apparemment, il serait un petit peu trop près des touristes, surtout des touristes féminins. Donc oui, c'est tout à fait possible que, sans le juger, parce qu'il est présumé innocent, hein, mais c'est tout à fait possible qu'il ait pu faire quelque chose aux filles. Ouais. Le seum, c'est qu'il a l'habitude de faire ça aux femmes qui sont toutes seules. Elles étaient deux. Bon, il y en a une qui était plus sportive que l'autre. Mais on passe pas de dragueur un petit peu lourdingue à meurtrier, quoi. Après, je ne sais pas. Et après, c'est vrai qu'un homme seul, mais après, on en a vu tellement, hein, malheureusement. Un homme seul qui s'en prend à deux femmes. Bon, quand même, Lisanne était assez sportive. Bon, après, est-ce Ouais. qu'elles ont pu se défendre ou pas? Je ne sais pas. Après, ça dépend. Est-ce que par hasard, il s'en serait, par exemple, il aurait menacé Chris avec une arme et il n'a rien pu faire, il était obligé de suivre, par exemple. Ou vice-versa, il a menacé Lisanne et Chris a dû suivre. Oui, mais après, oui. Ça fait penser au train de Springfield, là. Elles ont été enlevées toutes les trois. Donc, je veux dire, l'agresseur, il prend une des femmes en menace. Les autres sont. Enfin, t'es obligé de suivre, quoi. Ouais, mais pourquoi ils n'auraient pas gardé leur portable? Et pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pris des petites photos souvenirs, histoire d'être un petit peu plus glauque, tu vois? C'est une très bonne question. Ça, c'est une Voilà. énigme. Et puis surtout, pourquoi avoir déposé les corps ici, au bord de l'eau? Ou peut-être pas au bord de l'eau qu'il a déposé les corps, mais. Peut-être pour faire croire justement à une noyade. Non, Après, si ça se trouve, bon. c'est pas l'endroit où on a déposé leur corps. Ça se trouve, je sais pas ce qu'il y a comme animaux sauvages dans la jungle, mais un animal sauvage a très bien pu déposer une partie du squelette ici. Et puis, bah, les autres morceaux du corps sont ailleurs dans la jungle. Et ça va être très compliqué de les retrouver, hein. Alors après, de la peau humaine hors taxe, oui, je sais, ça c'est dit, effectivement. Et de la peau humaine, après, il y a aussi la possibilité à côté des petits morceaux orange que c'était des préservatifs. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Nous, on a suivi la piste qu'effectivement, ça devait être des bouts de plastique parce que ça paraissait moins spectaculaire, on va dire. Mais tout est possible, malheureusement. La photo est un peu floue quand même. Et puis c'est quand même très difficile sur une photo de savoir réellement ce que c'est. Oui, voilà. Après, oui. À moins d'avoir pris une vue du dessus, là, la photo est prise de profil, en fait, donc on ne reconnaît pas les objets. Bon, Ça, après, c'est. c'est vrai que moi, en faisant mes recherches, j'ai vu plusieurs personnes qui disaient que c'était des sacs plastiques qu'elles avaient dans leur chambre. Mais après, bon.
C'est toujours pareil. Qui dit vrai, qui dit faux. C'est ça. Ah ben, de toute façon, Henri, ça, c'est certain. Ben, c'est certain. Peut-être c'est pas sûr. Les photos, mais la photo qui manque, c'est forcément quelqu'un de l'extérieur qui a fait ça. Mmh. Quelqu'un qui était sur la photo. Ce que je me dis, après, on pense toujours la plupart du temps aux tueurs qui agressent des femmes parce que ce sont des femmes et on sait très bien ce qu'ils vont en faire. Mais peut-être qu'elles ont découvert une plantation pas très légale dans la jungle aussi. Hein. C'est pas une personne de cannabis ou de marijuana, des trucs comme ça. Et qu'elles ont pris en photo. Mais ça, tu vois, moi, j'y ai pensé, mais dans ma logique à moi, hein, c'est personnel. Si vraiment elles étaient tombées sur un champ, voilà, de cannabis, comme tu dis, ils les auraient tuées, mais pas tout ce scénario de sac à dos derrière un arbre, les os et tout, un endroit et tout. On aurait retrouvé malheureusement leur squelette avec, bon, c'est dur à dire, hein, je suis désolée, mais avec une balle dans la tête ou une balle dans le corps. Mais là, pour l'instant, on n'a rien retrouvé. Et je ne pense pas que malheureusement, on retrouve quoi que ce soit, à mon avis. Parce que, après, à part les parents, qui font encore des choses avec les enquêteurs privés, mais je ne sais pas. Mmh. Ah bah ça aussi, oui, elles auraient pu être attaquées et puis essayer de poursuivre pendant des jours. Oui, essayer de fuir et puis après, malheureusement, voilà, elles ont été attaquées. Hein. Mmh, peut-être aussi, ouais. Bah Marie, oui, si c'était des animaux, il y aurait eu des traces. En plus, les os, bah, le peu d'os qui ont été retrouvés, et il n'y avait pas du tout de traces, par exemple, coups de couteau, balles ou animaux, ou même cannibales, il n'y avait pas. Mais c'est vrai qu'il y a tellement eu très peu d'os pardon, qui ont été découverts que ce n'est pas évident. Hein. C'est ça. Puis pareil, les os inconnus qui ont été trouvés à côté, sur d'autres sites, ils disent que ce n'était pas des os humains, des ossements humains, mais des os de singes. Ça va un peu partout, dans tous les sens, avec les autres morceaux de squelette dont on ne connaît pas la provenance. C'était un morceau de crâne, puis un autre morceau, je ne sais plus de quoi, qu'on avait retrouvé. Après Chris, aussi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, je m'en souviens. Et puis, il y a aussi beaucoup. Et ça, par contre, tu vas sur n'importe quel site de recherche, tout le monde s'amène à dire que quand, malheureusement, il y a des noyades dans cette rivière, les corps sont retrouvés très rapidement. Oui, d'ailleurs, il y a un petit qui était tombé dans la rivière, ils avaient retrouvé son corps. Bah oui, voilà. Et même les animaux, des vaches ou n'importe quel, malheureusement, animal qui viennent à se noyer, il paraît que les corps sont retrouvés vraiment intacts. Et c'est ça qui paraît surprenant. D'accord, on va partir sur la thèse de l'accident. Elles ont eu un accident, malheureusement, voilà, bon, elles sont tombées dans la rivière, elles se sont noyées, malgré que la rivière n'est pas très profonde, a priori, mais bon, on ne sait pas. Elles se sont noyées la tête, elles se sont noyées, voilà. Mais pourquoi autant de morceaux de corps, c'est moche à dire partout. C'est-à-dire qu'on a retrouvé leur corps entre juin et la fin du mois d'août, un truc comme ça. Donc, ils étaient vraiment très dispersés, quoi. Par contre, moi, ce qui me choque, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en entier. Je parle pour les abonnés. Le guide, effectivement, il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant. Et c'est lui qui a retrouvé les ossements. À chaque fois, toutes les fois je sais pas. Ce juin et puis ce doute. Je sais qu'il a retrouvé des ossements, comme par enchantement. Bon, après, attention, cet homme est toujours pas suspect. Oui. Mais, présumé innocent. Voilà. Mais il a retrouvé des ossements. Et il est resté quand même un bon bout de temps dans la chambre des filles. Alors déjà, je trouve ça un petit peu hallucinant par rapport à la police qu'ils n'ont pas déjà fermé la chambre. C'est ça. Laisser comme ça les gens, il y a même des journalistes qui ont réussi à prendre des photos, et puis bon, c'est grâce à ça qu'on a les photos. Mais la chambre est restée comme telle qu'elle, il s'est promené dans la chambre, il a fait tout ce qu'il fallait. Quoi. Mais je remarque que on a fait beaucoup d'affaires comme ça, parce que c'est des étrangers qui disparaissent dans un autre pays, et à chaque fois la disparition, mais c'est pas que la police s'en fiche un petit peu, mais. C'est presque ça, quoi.
C'était le même cas pour Tiffany Véron. Hein, quand elle a disparu, bah, ils avaient rangé ses affaires et puis ils avaient relu la chambre très peu de temps après, quoi. C'est ça. C'est un peu passé. Allez, hop. C'est ça. Et comme il y a aussi, moi, ça c'est l'enquêtrice qui l'a dit, ainsi que les parents de Chris, sur le sac à dos, il y a eu énormément d'ADN. Oui, il y a eu beaucoup d'empreintes. Et je pense que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tripoté le sac quand la dame l'a retrouvé. Voilà, mais ça, c'est encore pas normal. Bah oui. Pourtant, oui. Les gens, je suis sûre qu'ils regardent la télé, hein, comme tout le monde. Hein. Ils ont vu des séries policières, hein, qui savent très bien qu'il ne faut pas toucher tout. Bah oui, puis les recherches, exactement, elles ont été bâclées. C'est ça, tout à fait. Tout le reste a été bâclé. Déjà, quand le procureur ose dire « Ah, mais on laisse les locaux chercher le reste des corps. » Oui, bon, ben bah, oui. Génial. Oui, pourquoi pas, oui. Ah bah, une des deux, oui, ça peut être hors de la chute. Après, il y a aussi la vidéo de Lionel Camille qui avait dit qu'elle s'était peut-être éventuellement fait piquer Chris par un serpent. Oui, parce qu'à ce qui paraît, il y avait beaucoup de poupères dans le coin. Voilà, ça peut être tout à fait possible aussi. Après, c'est peut-être à cause de ça que Lisanne n'a pas voulu laisser Chris et qu'elle n'ait pas essayé de retrouver le chemin. Après, tout est possible, hein, ça. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, du jour où elles ont appelé le 112, qu'elles se sont trompées parce qu'elles ont appelé les services d'urgence hollandaises. Et du jour où on a retrouvé malheureusement leur ossement, c'est une grande énigme hein, ce qui s'est passé. C'est ça. Malgré les photos, on n'en sait pas plus, finalement. Myriam, non, parce que nous, on a eu des échos d'une enquêtrice et les échos des parents de Chris et Lisanne. Non, non, c'est bien Feliciano qui a retrouvé les ossements. Par contre, les deuxièmes ossements qui ont été retrouvés, ça, je ne suis pas sûre que ça soit lui. Mais par contre, les premiers, c'est bien lui. Ça peut paraître louche, mais je pense qu'il a supposé, comme tout le monde, que bah, il fallait longer la rivière pour trouver, pour voir si elles étaient là, quoi. Et c'est pareil, pourquoi le short de Chris était tout seul sur un petit rocher. Alors ça, par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Alors, on ne sait pas où est la vérité. Soi-disant, il avait été bien rangé, bien plié. Bah, bien rangé, c'est une façon de parler. Bien plié sur le rocher. Après, ça a été dit qu'en fin de compte, pas du tout. Alors ça, je ne sais pas. Ah, mais pourquoi son short qu'elle portait, quand elle a disparu, s'est retrouvé tellement loin de son pelvis? C'est un truc qu'il faut se poser. Il y a des choses. Et pourquoi Alors, pourquoi toutes ces photos étranges? Alors, après, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu soit elles essayaient de retrouver leur chemin, soit elles ont entendu les secours et elles essayaient de faire de la lumière. Ah, peut-être aussi, oui. Voilà. Ah, mais, soit... mais pourquoi ne pas avoir crié? Peut-être ouais, c'est ça. Parce que dans la jungle, hein, ça a été dit que malheureusement les sons étaient assez, comment on dit, ça gardait bien à l'intérieur. Donc, c'est bien étouffé, quoi. Voilà, c'est ça. Après, ça peut être aussi les ravisseurs, s'il y a ravisseurs qui ont pris ces photos, mais pour quelle raison ça? Oui, voilà. La tête de Chris qui est assez perturbante, cette photo, pourquoi? Alors, est-ce qu'elle était blessée? Et Lisanne a voulu regarder. Est-ce qu'elle ne s'est pas blessée pendant la nuit? Et Lisanne, c'était le seul moyen qu'elle regarde si Chris n'avait pas une ouverture au niveau du crâne. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est... Et de toute façon, ces photos sont dérangeantes parce qu'il en manque une. Et cette photo-là, je suis certaine que c'est quelque chose qui est compromettant, en fait. C'est vrai que c'est super étrange qu'il manque que elle, en fait. Parce que sinon, si l'appareil photo était vraiment buggé, il y aurait eu d'autres photos qui auraient disparu. Alors que là, c'est la seule. Parce qu'on va dire que si c'est Chris et Lisanne qui avaient leur appareil photo et qu'elles ont pris toutes ces photos et tout, sur l'appareil photo, on ne peut pas complètement effacer la photo. On peut l'enlever, mais en fin de compte, les enquêteurs auraient retrouvé cette photo. Oui, voilà. Après, on peut aller loin aussi, hein. Bon, c'est moche de dire ça, mais malheureusement, ça existe. Que les policiers eux-mêmes ont effacé la photo
pour cacher quelque chose. Peut-être aussi. Finalement, il se passe des trucs peut-être très bien dans cette forêt, en fait. Exactement, ça le... Ben, je ne vais pas y arriver avec son la pauvre. Salamata, pardon. Exactement, c'est ça qui peut prouver qu'elles n'étaient pas seules, parce que forcément, de toute façon, ça serait elle, par erreur, qui aurait effacé cette photo. De toute façon, je ne vois pas de toute façon l'intérêt de l'avoir effacée, vu toutes les photos étranges qu'il y avait avant et après. C'est ça. Donc, c'est forcément quelqu'un. Donc, on ne va pas dire que c'est un animal. L'animal, je ne vois pas comment il peut faire. Une personne indigène, c'est-à-dire, entre parenthèses, des cannibales, ben, il faut avoir la technologie pour le faire. Mmh. Donc, quand même, on reste quand même sur des personnes, entre parenthèses, lambda, quoi. Des personnes comme tout le monde. C'est ça. Et pourquoi, si ça avait été vraiment un acte de cannibalisme fait par une tribu, normalement, enfin, le cannibalisme, c'est toujours très ritualisé. Donc, ouais, ils ne seraient pas débarrassés du corps comme ça, en fait. Ils n'auraient pas acheté le corps. C'est limite, dans le cannibalisme, dans les tribus comme ça, c'est honorifique d'être mangé par les autres. Donc, ils les auraient enterrés, en fait, tout simplement, dans un rite, pendant un rituel. Ben, ils n'auraient pas balancé les corps, en fait. Puis, de toute façon, si vraiment c'était, on va dire, les cannibales et tout, je pense que ça ne serait pas leur première victime. Voilà, c'est ça. On aurait retrouvé plus... Bon, je ne sais pas, ça serait quand même inquiétant de retrouver sans arrêt des eaux dans cette jungle, quoi. Sachant que, attention, encore une fois, il y a des touristes qui passent. Hein. Bah oui, c'est ça. Le sentier est très, très, très fréquenté. Hein. Ouais. Et Sarah, je rebondis sur ton commentaire. Oui, effectivement, il y a des touristes français qui ont fait un blog, d'ailleurs, où moi, je suis allée voir. Ils le disent bien qu'il y a une personne qui leur a dit qu'ils avaient entendu deux filles crier dans la jungle, plus apparemment une course-poursuite, entre parenthèses, hein, je cite ce qu'ils ont dit, et après, voilà, plus rien. Donc ça aussi, ça paraît très étrange. Est-ce vrai ou pas ? Ouais, c'est ça. Après, les touristes français, je ne pense pas de toute façon qu'ils aient raconté n'importe quoi, parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais après, le monsieur qui leur a dit clairement ça, bon, après, c'est assez compliqué de savoir. Après, voilà, il y a l'hypothèse ici que ça peut être un touriste hein, ou un groupe de touristes qui s'en soit pris à elle, leur disant, bah, si vous voulez, il y a un spot pas trop mal, pas très loin et tout, venez les filles, tralala, de base, quoi. La drague de base un peu bateau, mais qui passe, quoi. Ouais, finalement. Le touriste, il connaissait bien l'endroit, alors. Hein. Bah oui, il y en a qui, je suis sûre qu'il y en a qui viennent tous les ans dans cet endroit-là. Parce qu'il y a des spots plutôt pas mal hein, pour se baigner et tout, il y a des endroits super bien, finalement. Bah, disons que c'est quand même une région qui est très dangereuse, il ne faut quand même pas l'oublier. Ouais. Je déteste dire ça, mais comme malheureusement on essaye de trouver, de parler de tout, je vais parler aussi de quelque chose qui m'a quand même choquée. Je m'en excuse d'avance parce que c'est très moche hein, qu'elles reposent en paix. Hein. Mais pourquoi avoir enlevé leur soutien-gorge ? Il y a deux femmes dans la jungle. Tu sais que cette jungle-là n'a pas une bonne réputation. Le sentier, ok, il y a des touristes, ok, pas de problème. Peut-être qu'elles ne le savaient pas, je ne sais pas. Mais je veux dire par là, il y a deux belles filles dans la jungle. Déjà, c'est un petit peu risqué de partir seules. Elles auraient pu attendre le guide. Et deuxièmement, elles enlèvent leur soutien-gorge pour X raisons. Elles se sont baignées, s'est mouillées, elles ont chaud, je ne sais pas. Pour X raisons. Ben, c'est quand même limite aussi. Hein. Ce que dit hors-texte est intéressant aussi. Les touristes hollandais qu'elles ont rencontrés avant de commencer, ce que dit hors-texte. Alors, les touristes, je crois que c'était les étudiants, je crois que j'en ai parlé, il me semble, c'est ça. Il y en a un qui a décédé. Oui, tu en avais parlé, Lily. Ah, les étudiants ont été mis hors de cause, en fait, littéralement. Il y a les étudiants qui ont été mis hors de cause et il y a quand même deux autres personnes hollandaises aussi. Et il y en a un, j'ai vu en faisant mes recherches, qui est décédé. D'accord. Voilà. Et eux, par contre, ils n'ont pas été plus que ça interrogés.
Après, de toute façon, on peut partir sur tout et n'importe quoi, comme cette Non, photo des jeunes là qui se baignent et que beaucoup de personnes ont dit, a priori, ça aurait peut-être pu être Lisanne et Chris qui se mais c'est baignaient. qui est-ce qui prend la photo du coup? Je ne sais pas, il y a des choses qui sont. Parce que l'appareil photo ne vole pas. Surtout que la photo a été prise de super loin parce que quand tu vois la qualité pixel, c'est qu'il y a eu un zoom fait avec l'appareil photo. C'est que la photo a été prise quand même d'assez loin, quoi. C'est-à-dire que c'est limite une personne qui les a pris presque en douce. C'est super creepy. Ça fait presque penser à ça, hein, une photo prise en douce. De gens qui se baignaient. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses, mais l'accident, c'est pas possible, quoi. Non, pour moi, c'est pas possible non plus, hein. Et après le crime, bah ouais, soit une personne qui habite vraiment dans le village, en qui elles avaient confiance, ou soit des touristes qui leur ont proposé de visiter le coin parce que eux, ça faisait longtemps qu'ils venaient. C'est possible aussi, hein. Et comme on a mis un petit peu de temps à les rechercher, bah, ils ont eu le temps de partir, de monter dans leur avion et puis partir, quoi. Ouais, c'est possible. Mais bon, le sac bien rangé, ça fait quand même une sorte de petit rituel. Genre, je range bien tout, tout est carré, tout est propre et tout. Limite, ça se trouve, ils ont été lavés, tu vois. Encore pire. Puis il y a aussi l'inhalateur de Lisanne qui n'a pas été Ouais, retrouvé ni c'est dans ça. la chambre Partout, ils sont inhalateurs. et ni dans son sac à dos. Et bon, je ne sais pas si vous connaissez bien quand même le fait d'être asthmatique, on ne quitte pas son inhalateur. Hein. Non, non, Normalement, non, tu as surtout toujours à pas. toi. Donc, je veux dire par là, ça prouverait peut-être encore une fois qu'ils étaient peut-être séquestrés quelque part et que l'inhalateur est resté sur place. Peut-être, ouais. Ou alors c'est un genre de souvenir, tu sais. Ouf. Oh bah oui, de toute façon, on peut tout imaginer, malheureusement. Il y a aussi une chose, moi je rebondis encore une fois, qu'elles n'aient pas laissé de message à leur famille. On sait quand même que Chris et Lisanne avaient un livre, un journal intime, pardon. Et elles mettaient tout, en fin de compte, dans ces journaux. Et C'est là, ça. par enchantement, elles ne laissent pas de message du tout. C'est super bizarre. Alors que, au bout de quelques jours, elle se doutait qu'elle s'en sortirait pas, quoi. Donc, qu'il fallait laisser un petit mot. Que Chris s'est fait piquer par un serpent, qu'elle a eu un accident, on va dire. C'est effectivement la dernière photo, elle paraît, oui, en colère ou pas bien. Il n'y a plus de sourire, je veux dire, comme elles font avant. Imaginons qu'elle a eu quelque chose, bah, si malheureusement c'est un serpent et que tu sais très bien que bah, le serpent, s'il est venimeux, voilà, t'as plus. Là, tu laisses un message. Je ne sais pas, ça me perturbe depuis le début hein, que je connais cette affaire. Ou peut-être aussi qu'elle était fatiguée. Il faut pas oublier aussi qu'elles sont parties quasi avec rien, même pas avec une bouteille d'eau remplie, hein. C'est ça. Même pas avec Même leur pas avec. portable complètement rechargé. Même pas avec le portable complètement rechargé, même pas une bouteille d'eau remplie, en sachant la chaleur que tu as là-bas. Il fait Ouais, très chaud et très humide, très c'est un chaud, peu un tu te cauchemar, hein. déshydrates vite, quoi. Moi, je sais que pour ma part, je suis perdue. Bon, merci, je ne le souhaite pas, mais je suis perdue. Voilà, je sais que malheureusement, il n'y a plus de grand espoir. Je laisse un message à mes proches, sachant que quand même, c'est la génération portable. Bah oui, voilà. Elles étaient sans arrêt sur les réseaux sociaux. Après, tu laisses un message comme ça ou un petit texte dans ton portable pour, voilà, pour dire adieu à ta famille. C'est moche, mais c'est. Voilà. Et ça me paraît quand même surprenant. Je suis embêtante avec ça, mais vraiment, ça me paraît surprenant, Bah quoi. moi aussi. Ça montre un peu qu'elle s'attendait pas à ça, quoi, de finir comme ça, en fait. Et puis comme je dis, si malheureusement il y en a une des deux qui est décédée avant l'autre, l'autre se retrouve toute seule, tu as besoin de parler. Je ne sais pas si vous connaissez le film 127 heures.
où il se retrouve tout seul, coincé, son bras est coincé par un rocher. Ah oui, 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 oui. Oui. Au bout d'un moment, il laisse plein de messages à sa famille. Mm. Il s'en est sorti, lui. Oh, oui. C'est il s'est coupé le bras, mais il s'en est sorti. Mais lui, il a laissé parce qu'il savait que, bah, il savait. Heureusement qu'il s'est trompé, mais il avait l'impression qu'il n'allait pas s'en sortir. Il a laissé les messages. Mm. En plus de ça, il faut savoir que Lisanne était extrêmement proche de son père. C'était vraiment papa, c'était quelque chose, même sa maman, hein, mais elle était très fusionnelle avec son papa. Ouais, bah oui. Donc pourquoi pas laisser de petits mots? Même au pire, un message texte pour c'est dire ça. Adieu. Après, comme dit Henri là dans les commentaires, effectivement, après on peut tout supposer que les appels au 911, oui, ont pu être faits par les agresseurs pour brouiller les pistes. Hein. Peut-être. Non, non, après la dernière photo de Chris, bah, après on peut supposer que c'est elle qui ont pris les photos de nuit. Il n'y a eu aucune autre photo. Mais bon, ça veut dire que s'ils ont appelé comme ça au 911 de façon assez régulière, en prenant soin d'éteindre et d'allumer le téléphone à chaque fois pour vraiment faire croire qu'elles étaient vraiment en mouvement pour appeler les secours, ça veut dire vraiment que c'était des criminels bien préparés, quoi, en fait. Carrés, qui ont l'habitude de faire ça et tout ça, quoi. Bah déjà, d'avoir pensé à on va dire que c'est elle hein, qui avait les téléphones, d'avoir mm-hmm. pensé à économiser les batteries, déjà, il y a une forme de logique. Oui, voilà. Très logique. Donc, si tu es très logique, tu es très logique sur autre chose aussi derrière. Mm. Et là, c'est incohérent parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Après, c'est facile hein, de dire ça, on n'est pas dans la même situation. Attention, hein. Je ne les juge pas du tout. Hein. Mais il y a des choses, je ne sais pas. Bon, on n'est pas dans la même situation et puis on n'est pas elles non plus, quoi. On ne sait pas comment elles ont réagi en étant perdues. C'est ça. Ensuite de ça, il y a quand même quelque chose aussi d'extrêmement troublant. C'est quand les deux familles sont allées sur place avec les enquêteurs privés, ils n'ont rien retrouvé d'elles. Mais rien. Mm. Pas de traces, pas de... je veux dire, tu restes... je suis désolée, mais tu restes une semaine dans la jungle, bah, tu fais tes besoins. Bah oui, voilà. Et bah, il n'y a rien eu. Tu essayes, sachant qu'elles étaient extrêmement logiques pour la batterie, tu essayes de faire des points, je veux dire, sur les arbres, je ne sais pas, pour savoir où tu es, pour essayer de retrouver ton chemin. Il n'y a rien eu du tout, du tout, du tout. Comme si elles n'avaient pas du tout été dans la jungle. Et ça, c'est quand même les familles qui le disent. C'est quand même pas n'importe qui, c'est pas des journalistes. C'est les familles. Il n'y avait rien, strictement rien d'elles. C'est ça. Bah, à part la dernière photo qui était prise sur le ruisseau, un petit peu avant qu'elles appellent, elles fassent le premier appel au secours, je ne sais pas vraiment où c'est dans la partie du sentier, mais après, du coup, il n'y a plus de traces, en fait. Bah, je sais que l'enquêtrice y est allée, elle a refait exactement le même chemin, mm-hmm. et après, oui, c'est pas loin, j'ai vu, hein, après, au niveau des recherches, c'est pas très loin. Du soi-disant demi-tour que maintenant c'est facile de l'avoir mis hein, le panneau hein. Il serait temps oui. Donc c'est pas très loin du fameux demi-tour d'accord donc ouais, vraiment quelques minutes après avoir été au belvédère quoi c'est ça c'est ça qui me perturbe je me dis est-ce leur objectif c'était aller au belvédère et revenir alors pourquoi est-ce qu'elles sont allées tout droit est-ce que c'est parce qu'elles savaient qu'elles savaient pas que en faisant sans faire demi-tour, elles allaient se perdre. Ou alors moi, c'est parce que quelqu'un leur a proposé d'aller tout droit pour visiter. Moi, je pense qu'elles ne savaient pas. Il n'y avait aucun panneau qui pouvait indiquer à l'époque. Hmm. Mais quand tu n'as rien pour t'indiquer quand tu es en randonnée, tu dis oh, bah, tu peux continuer, tu vas revenir sur tes pas. Hmm. Mais donc, ça veut dire, attends, elles partent à 11h, elles arrivent pour 13h gros maximum au belvédère, elles continuent tout droit, et elles vont mettre 3h40 à se rendre compte qu'elles se sont perdues. 3h40, elles ont fait quoi ? Presque 6 km, presque. Elles ont commencé à appeler les secours à 13h40. Hein. Il me semble que moi, je l'ai dit dans mon truc, si je ne me trompe pas. À 16h. Non, c'était pas avant.
Moi, j'ai 16h40 le premier appel. Oh, moi, j'ai un blanc. Moi, j'ai 16h40 le premier appel. Attends, j'ai un blanc là. Oh là là, bah, ça commence à avoir un blanc. Ouh, je ne sais plus ce que j'ai dit moi. Mais c'était quoi j'avais dit quoi moi comme heure? Moi, je me souviens du 16h40. Moi, je rebondis sur ce que dit Hortax. Pour moi, mais c'est personnel encore une fois, tout simplement parce que les photos, il n'y avait rien de compromettant. Et ensuite de ça, peut-être pour faire croire qu'elle est un accident. Parce que si on n'avait pas retrouvé leur portable ni leur appareil photo, il n'y avait qu'un seul appareil photo, ça aurait pu être encore plus suspect. Donc, tout simplement, peut-être qu'on va envisager que c'est des ravisseurs. Ils ont peut-être regardé les photos, ils ont enlevé la photo compromettante et ils ont laissé le reste parce qu'il n'y avait rien de compromettant. Mmh. Après, c'est mon avis. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison, loin de là. Hein. Mais c'est vrai que c'est... Entre le moment où elles sont arrivées au Belvédère et tout ça, il y a appelé les secours, il s'est passé plusieurs heures et elles s'en sont rendues compte vraiment très très tard, quoi. Limite, une heure après, il faisait nuit et là, elles se sont rendues compte que elles étaient complètement perdues, quoi. Donc, il s'est peut-être passé un truc vers 4 heures, puis elles se sont aperçues que elles revenaient plus, en fait, elles revenaient plus près du restaurant. Et du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus chien avec elles. Du coup. Donc, est-ce que c'est elles qui ont demandé au chien de partir pour demander de l'aide? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a dit au chien de partir? Après, oui, effectivement, le chien, ils ont pu penser que le chien allait revenir avec quelqu'un. C'est vrai que c'est très compliqué hein, de se mettre à leur place. Hein. C'est même impossible. C'est ça. On ne peut pas, parce que même nous, on ne va pas réagir de la même façon. C'est ça. Nous, on raisonne, c'est facile, on raisonne à notre place, là où on est en sécurité. Après, quand tu te perds à un endroit, je ne pense pas que tu te sentes en sécurité. Mais c'est vrai qu'elles ont été extrêmement logiques, effectivement, avec la batterie de leur téléphone. Mais après, on ne sait pas, effectivement, oui, comment on peut réagir à différentes situations. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je me suis perdue en forêt, et puis je ne suis pas revenue sans mes pas. Hein. J'ai suivi le chemin, en fait. C'est tout. J'ai suivi la route. Moi, je dis ça, c'est tout simplement ce que j'ai appris, entre parenthèses. Mais après, c'est vrai que quand tu es perdu et tout, est-ce que tu penses forcément à tout? Je ne pense pas. Non, je pense... moi, je ne pense pas. Après, j'ai jamais été dans cette situation. Je du bois, mais... je ne pense pas que tu dois penser à tout. Alors, il y a le commentaire d'Henri. Il est possible que la recherche, les filles étaient encore vivantes. Je pense, ouais, quand on les cherchait au début, elles étaient encore en vie. Je pense qu'elles sont décédées peut-être autour du 12-13, 13 juin. Donc, elles ont quand même tenu longtemps dans la jungle. Donc, une morsure de serpent, ça paraît bizarre parce qu'un venimeux, ça te tue en quelques heures. Hein. C'est pas un jour. Hein. Bon, après, il y a la possibilité, effectivement, il y a aussi la fois où une des deux a essayé, donc je suppose que c'est Lisanne, ça me paraît plus logique, elle a pris le téléphone de Chris et elle s'est trompée dans le code PIN. Mm. Donc, est-ce que Chris était toujours en vie à ce moment-là? Ouais, mais elle n'aurait pas bougé son corps. Elle s'est restée au bord de l'eau, c'est tout. C'est-à-dire que Chris... Il y a plein de choses hein, qui sont... Ça veut dire que Chris aurait enlevé son pantalon, elle aurait sauté dans l'eau, se serait assommée, se serait noyée. Lisanne l'aurait ressortie de l'eau, si elles sont vraiment mortes au bord de l'eau. Et puis, elle serait restée à côté d'elle, quoi. Jusqu'à elle décéder aussi, quoi. Elle serait laissée mourir à côté d'elle. Si on part de cette optique-là. Parce que pourquoi il y a le short-là? C'est que soit c'est Chris qui l'a enlevé, soit c'est quelqu'un qui lui a enlevé. Il n'est pas apparu ici par magie sur un rocher. Hein. Je pense pas. Comme le sac à dos derrière un arbre. Mm. Les saumons, hein, ils remontent la rivière, mais
Les sacs à dos, les gros, les shorts. Il faut être un être conscient et vivant pour remonter un cours d'eau. Donc non, c'est pas possible. On a déposé les corps ici, ou pas très loin. Parce que les animaux n'ont pas fait non plus 4 km avec un morceau de chair dans la bouche pour le manger après. Hein. Ils ont fait 200, 300 mètres, 500 max, et puis ils ont mangé. Mais pareil, on n'a pas trouvé de gros traces de crocs non plus sur les os. Puis il y avait encore la moelle, alors qu'il y a des prédateurs qui mangent la moelle aussi. Alors que la moelle était intacte. Il n'y avait pas de signe de décomposition sur les corps non plus. Les larves étaient à peine en train de commencer à manger sur le corps de Lisanne, sur le reste de sa jambe droite, ou gauche, je ne sais plus. On a retrouvé un peu de chair entourée. Il y avait les... Comment on dit? Les larves de mouches commençaient à peine à dévorer le corps, en fait. Enfin, ce qui restait. Donc, c'est bizarre aussi, quoi. Ouais. Par contre, Myriam, je ne connais pas du tout la tribu des sentinelles. Je ne sais pas si Amantie et Lily connaissent, mais je ne connais pas du tout. Je vais chercher ça sur Internet. Alors là, bonne question. Tribu des sentinelles. Alors. Tout savoir sur la tribu des sentinelles. Alors la fille qui a été blessée, oui, effectivement, on peut. Et moi, j'ai un peu de mal à le voir, mais il y en a qui ont vu qu'elle saignait au niveau du crâne. Oui, qu'il y avait des petites taches au niveau de sa tête. Et comme la photo, effectivement aussi, qu'on pense voir un corps. Ça, moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le voir, mais bon, après, je ne dis pas que ce n'est pas possible. D'accord, je ne connaissais pas le goût. Ah, je crois qu'ils vivent sur une île un petit peu isolée et tout, là. Enfin, c'est ce que je suis en train de lire, en tout cas. D'accord. Encore une fois, comme disait Amanti, mais bon, après, on n'est pas spécialiste de ça, c'est étonnant de ne pas avoir gardé les os si c'était des cannibales. Mm-hmm. Après, je ne sais pas, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Hein. Ah ben ça, c'est certain, Henri. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça. Ils ont toujours tout de suite privilégié la thèse de l'accident. Ils n'ont pas été chercher plus loin. Et oui, c'est au niveau du tourisme. Et il n'y a pas que elle qui a disparu. Oui, il y a d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont disparu, qui n'ont jamais été retrouvées. D'ailleurs, je voudrais faire une vidéo dessus. Et ça paraît quand même un petit peu suspect aussi. Après, bon, les disparitions, attention, hein, ce n'est pas toujours des crimes. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais c'est vrai que dans le même secteur, le même sentier, c'est... Ouais. Ça paraît suspect. Ah, mais c'est eux, logo, d'accord. Mais oui, je l'avais vu, cette vidéo. Et il y a comment ça s'appelle? Il y a un spécialiste qui a disparu. Mais oui. A priori, il aurait été tué par ces gens-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, cet homme-là, qui est allé les voir et tout, qui avait réussi à rentrer en contact avec eux. Et à... C'est pas John Scholak, Myriam. Myriam Ray, elle le dit. Je pense que c'est lui. Oui, je l'avais vu. Effectivement, j'avais vu tout le documentaire dessus. Je ne savais pas que c'était dans la même région. Ouais, c'est lui. C'est pas des cannibales, a priori, hein. Si, dans le documentaire, il disait que c'était des cannibales. Ouais, je ne sais pas, là, je suis sur un article, ce n'est pas des cannibales, mais ils ne rendent pas les corps. Bon. Je suis sur Camille G, là. C'est des trophées de, on va dire, de guerre, entre parenthèses, hein, finalement. En gros, c'est ça. Hein. Ça, tu vois, je ne savais pas.
Mais merci Myriam, hein. Il faut quand même. Ben moi, je connaissais, mais je n'ai pas fait le rapprochement, en fait. Je ne savais pas que c'était vraiment dans la même région. Je suis sur un article sur le Panama. Bon, ça parle de la... C'est une manifestation qui a lieu dans la capitale de Panama, du coup. Et il y a plusieurs femmes qui disparaissent par an et la police ne les cherche pas. Il y a eu 15 femmes qui ont disparu au cours de l'année 2021 et la police ne cherche pas. Dans le même secteur que Lisa. Je pense pas, bah, je pense que c'est dans tout le Panama, dans l'ensemble du pays en fait. Ce pays est pas tout petit, mais il est relativement petit. Il y a 17 disparitions de femmes et 29 d'hommes. Oh la vache. Oula, ouais, il y a beaucoup, hein. C'est. Là, déjà, c'est. Oui. Ça se posait un petit peu de questions quand même. Oui. Je pense que c'est pour le pays dans son ensemble, parce que c'était une manifestation dans la capitale. Donc je pense que c'est vraiment global en fait, c'est dans tout le pays. Mais waouh. Ah, c'est vrai qu'il y a des cartels et tout, mais pareil, comme t'as dit, c'était des cartels, ils ne seraient pas embêtés à faire tout un truc, quoi. Ils auraient laissé mis les corps ailleurs pour pas qu'on trouve la plantation, mais c'est tout. Ben, c'est ça, oui. Il ne serait pas embêté à faire. Oui, je ne sais pas. Et oui, je suis d'accord, Pascal, ça n'explique pas la photo supprimée. C'est ça. Moi, je suis toujours. Moi, la photo supprimée, je suspecterais la police. Alors après, oui, ça peut être ça aussi. C'est une tribu, on va dire, on va partir sur le cannibalisme, c'est une tribu comme ça, ou non cannibale, une tribu, et ils protègent cette tribu-là, et c'est les policiers qui ont supprimé cette photo. Bah, Ou un policier qui. alors ils protègent le cartel parce qu'ils arrosent très bien. Aussi, Aussi. ouais, effectivement. Ben, c'est vrai qu'on peut penser, parce qu'il y a eu beaucoup de théories hein, sur la côte de Chris, en quoi elle était blanchie, et c'est typique des cartels. Citron vert, acide, enfin bon, je Oui. ne vais pas épiloguer. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc il paraît que c'est typique des cartels. Donc ça veut dire qu'il y a un gros cartel pas très très loin, quoi. Et donc qu'il y a un truc dans la forêt, tout simplement. Bah, de toute façon, c'est soit quelqu'un voilà, qui connaissait très bien pour effacer cette photo, soit un ou plusieurs policiers qui auraient effacé cette photo pour le tourisme, ou pour protéger un cartel ou des indigènes, ou voilà tout ce que vous voulez. De toute façon, on m'enlèvera pas de la tête que c'est pas que c'est un accident. Oh, on m'enlèvera pas de la tête que c'est pas un meurtre. Hein. Déjà, deux filles, Henri, qui partent toutes seules. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Elles ont le droit de bouger aussi, mais c'était un petit peu dangereux, quoi. Oui, voilà. C'est quand même un endroit assez connu, hein, le Panama. Il y a quand même beaucoup de personnes qui y vont parce qu'il n'y a pas d'extradition. C'est C'est quand ça. même connu, c'est comme le Mexique, où il y a des endroits qui sont peu fréquentables. Comme partout, hein, d'ailleurs, attention, hein. Oui. Il y a quand même un facteur qui est assez grand. Les Il n'y a pas besoin cartels. d'être une femme aussi pour être en danger en forêt. Hein. Ouais, Il y a les hommes des hommes aussi, aussi qui hein. disparaissent dans les bois Ah bah bien qu'on ne sûr. retrouve pas ou qui meurent dans d'étranges circonstances aussi. Tu peux être avec un mec randonné avec deux hommes et puis c'est un quelque chose, hein. Bah, dans les Ça disparus du n'empêche pas. Boscodon, c'est pareil. Hein. Il y en a une, elle était en groupe, puis elle a quand même disparu. Voilà. Ça n'empêche Voilà. pas. Ils étaient cinq, ils sont venus à quatre. Voilà. Bon, après, attention, dans beaucoup de disparitions, c'est beaucoup des accidents quand même. Oui. On a tendance à pas le dire sur nos vidéos parce que, par respect pour les familles, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, d'accidents. Des fois, un peu Oui. suspects, des accidents, mais, des accidents.
C'est sûr. Des fois, oui, c'est super bizarre. Quand on Ah, trouve les corps, on trouve que c'est super bizarre. c'est ça. Mais là, je veux dire, dans si Lisanne et Chris, on n'avait pas retrouvé l'appareil photo, les téléphones portables et tout, c'est vrai qu'on pouvait partir sur l'accident sans problème. Hein. Ben oui, c'est Parce ça. Donc, que... pourquoi mettre en évidence le sac? Donc, Voilà. il y a quelqu'un qui se sent un petit peu coupable de ce qu'il a fait, de ce qu'il ou ce qu'elle a fait. Parce que les femmes aussi peuvent commettre l'irréparable. Hein. Ah oui, Ah il ben. n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes, ouais. Après, Après, ça qu'on parle s'est pas dit. beaucoup des femmes, mais ouais, ça peut être aussi des femmes, hein. Ben oui, parce que ça s'est dit, hein. Bon, la pauvre, c'est peut-être pas du tout le cas, mais ça s'est dit que ça pouvait être aussi la femme qui a récupéré le sac. C'est Oui, comme m'arranger aussi. pour le sac. Peut-être. Ou alors elle l'a trouvé ailleurs que sur le petit rocher au bord de l'eau. C'est ça. Donc elle a pas voulu le dire. Peut-être Elle a pour peut-être trouvé protéger chez quelqu'un de la... sa tribu. Bah oui, voilà. Elle protège quelqu'un qu'elle affectionne et qu'elle ne veut pas retrouver en prison, en fait. Dans les forêts là-bas, oui, bah, c'est ce qu'on disait, Voilà. c'est limite qu'il pouvait y avoir des gangs et qu'elle serait tombée, effectivement. Et là, la police aurait peut-être enlevé la Cacher photo. ça. Oui, parce qu'il y a, il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de corruption aussi. Du coup, il y en a forcément un dans la police qui est mouillé dedans et il a supprimé la photo compromettante. C'est une véritable énigme, hein, quand même. C'est ça. Bonne soirée, Agil. Oui, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Je pense que Lisanne a pris la photo qu'il ne fallait pas. Elle a sorti quelque chose, peut-être le guide. Il a lavé le sac, ouais. Mais J'avais de parlé tout à l'heure que les fringues auraient pu être lavées. toute façon, Mais forcément, si cette photo a été retirée, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Soit le meurtrier, soit les meurtriers, soit effectivement on peut partir sur de la drogue. Il y a quelque chose qui fallait pas que les autres voient. Hein. c'est ça. Oui, c'est extrêmement triste pour les familles parce que de ne pas savoir. Bon, elles ont quand même, on va dire, cette chance d'avoir retrouvé quelques. Je suis désolée du mot, Du j'aime corps. pas. Voilà, quelques restes, on va dire, pour au moins faire entre parenthèses leur deuil. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là, mais de ne pas savoir ce qui arrivait à leur fille, C'est ça. c'est Horrible. horrible. Mais pareil, si le contenu du sac a été lavé, donc ça veut dire qu'elles n'avaient pas au moins leur soutif sur elles, et pourquoi ne pas avoir lavé short? Et pas avoir lavé le reste des vêtements, genre t-shirt, bah, le short de Lisanne aussi, parce qu'on n'a jamais retrouvé du coup, alors qu'on a retrouvé une jambe gauche, son short a disparu, puis leurs hauts non plus n'ont pas été retrouvés. Aussi. Après, je sais pas, peut-être qu'on a retrouvé des vêtements, mais je pense pas. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord, moi, cette photo est le départ de tout. C'est de toute façon, si un jour on retrouve cette photo, je pense qu'on saura. Oui, voilà. Non. Je peux être négatif, mais je pense qu'on ne la retrouvera jamais. Hein. Non, mais de toute façon, ça c'est certain qu'on ne la retrouvera jamais. Mais je veux dire, c'est vraiment c'est ce qui bloque pour savoir ce qui s'est passé, à mon avis. À moins que quelqu'un parle. Oui, que quelqu'un qui se sente Il faudrait que coupable quelqu'un parle. parle. Oui. Bon, alors si on se base sur la police qui protège, je ne sais pas, un cartel ou autre chose, je doute que ça parle entre nous. Hein. C'est ça. Sauf si un jour le cartel venait à s'effondrer, mais ça arrivera peut-être pas, ou pas du tout jamais. Du coup, Ou alors, il y a des chances de retrouver les autres parties des corps et qui est peut-être quelque chose qu'on peut penser là à un meurtre. Bah, le fait de pas retrouver aucun vêtement du tout et pas retrouver le reste des ossements, ça sous-entend quand même qu'on n'a pas dispersé le corps, mais presque ça, quoi. Qu'on a fait en sorte qu'on ne retrouve pas en entier.
Parce qu'il y en a qui avaient fait une hypothèse aussi, c'est que les corps étaient cachés dans des sacs poubelles, trucs comme ça. Et donc, il y a une partie qui a été dispersée parce que le sac s'est ouvert et que l'autre partie est restée dans le sac. Peut-être un sac lesté. Ou un petit peu enterré. Bonne question. Pourquoi ne pas avoir gardé les os ? C'est une question pas bête, effectivement. Parce que si c'est vraiment un meurtrier ou un cartel, pourquoi avoir fait tout ce truc ils auraient tout gardé, en fin de compte, ça serait resté tel quel, ça serait resté disparu, et puis voilà. C'est ça. Garder certains souvenirs en tant que trophée, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'ai un peu pensé, mais après, je peux me tromper. Ben oui, Pascal, il y a énormément de choses étranges dans Disparition. Du moment où elles appellent du secours et puis du moment où on retrouve le sac et leur squelette, enfin ce qui reste leur squelette. Ah ben ça, c'est sûr que oui, ça a été fait par un ordinateur. C'est pour ça que la piste, entre parenthèses, cannibale, à part si, encore une fois, la police est soupçonnée, il faut vraiment quelqu'un qui s'y connaisse. Hein. Après, il y a des cannibales qui ont des maisons et Internet. Hein. Ça existe aussi. Hein. C'est plus rare, mais ça existe, malheureusement. Moi, je crois que c'est beaucoup plus rare. Hein. Ouais, mais il faut quand même s'y connaître pour effacer définitivement. Oui. Bon, après, on ne sait pas si elle a été effacée définitivement aussi. Oui, peut-être que la personne a juste supprimé, copié-collé pour avoir son petit souvenir personnel. Et puis, ça a corrompu, en fait, la partie de la photographie, en fait, sur la carte SD, tout simplement. Parce que ça reste un matériel informatique, ça peut se corrompre de toute façon. Du coup, soit c'était intentionnel, soit ça l'était pas, mais ce qui aurait été mieux pour le criminel, s'il a effacé la photo, c'est de faire en sorte que cette photo-là soit effacée définitivement et qu'il y ait un suivi, en fait, du nombre de photos. Qu'on ne se rende pas compte qu'il manque une photographie, en fait. C'est pour ça, en fin de compte, si vraiment on part sur la piste criminelle, ils ont fait tout pour un peu nous mettre le doute, mais ils nous en mettent encore plus d'avoir fait tout ça, en fait. Parce que si on part sur la piste criminelle, on va dire, ils auraient gardé les deux téléphones portables, ils auraient gardé l'appareil photo, les ossements, ben voilà, personne ne se serait mis tout ça. On aurait parlé d'elles parce qu'elles auraient disparu et qu'on ne les aurait jamais retrouvées. C'est tout. Et ça, c'est quand même assez troublant, ça. Tout à fait. Parce que laisser l'appareil photo, laisser les portables, quelques ossements, je ne sais pas. La piste, d'accord, on va dire la piste accidentelle, ok. Mais l'appareil photo, il n'a pas réfléchi une seule seconde qu'on aurait pu penser qu'il manquait une photo, quand même. C'est ça. Ouais, que les corps aient été jetés et que la nature fasse son travail, oui. J'y ai pensé aussi. Finalement, les animaux auraient fait leur travail, en fait. Alors oui, mais il faut dire, je reprends les termes de Lionel Camille, mais étant vétérinaire, je le sais aussi, un animal, sincèrement, il va laisser le crâne. Hein. Il va pas le prendre. Il va prendre le crâne. Mais le crâne, non. Et on n'a pas retrouvé les crânes. C'est ça qui est quand même surprenant. Bon, effectivement, la jungle, c'est assez grand. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a quand même eu beaucoup de recherches par rapport aux familles et aux enquêteurs privés. Et pour l'instant, ils n'ont rien retrouvé. C'est ça le truc. C'est qu'il manque, leur tête. Et ça, un animal, ça ne serait jamais pris à leur tête, en fait. Il aurait... Et en plus, il restait de la moelle dans les eaux. Il y a des animaux sauvages qui consomment la moelle parce que c'est super nutritif. Et il y en avait encore. Enfin, c'était plein. Oui, mais, ouais. Mais je ne vois pas un animal garder le crâne en souvenir, hein, perso. Non, alors, non, il ne garderait pas en souvenir. Peut-être l'animal, mais... à moins qu'il soit dérangé, mais ouais.
Sarah, c'est pas chez moi hein, qu'on entend rire. Non, je sais pas. C'est peut-être Lily parce que elle a son enfant. Oui. Oui, alors Sarah Cassello, ouais, effectivement, je vois le truc. Oui, c'est mon fils qui est en train de regarder un film et qui rigole. Je suis désolée. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je reste convaincue qu'elles ont été kidnappées et assassinées aussi. Exactement. Oui. Ils ont les moyens de faire jouer la police en leur faveur. Ah bah ça, et puis ça s'est dit beaucoup. Hein. Les réducteurs de crâne, les réducteurs de tête. C'est pas dans le vaudou ça? C'est pas en vaudou, les réducteurs de tête? Alors moi ça n'a rien à voir, hein. Ne vous en prenez pas après moi. Hein. Moi j'ai entendu ça dans le film La Momie. Oula, oui. Ah bon? Waouh. On va un peu alléger ce live. Hein. Mais sincèrement, je... Lequel? Sinon, lequel? Ouais, le deuxième. Le deuxième. D'accord. Oui, je vais me refaire le deuxième alors. Merci. Oui, il y a beaucoup d'animaux qui emportent leur proie dans un terrier. Effectivement. Mmh. Ils ont, en principe, dans la logique des choses, ils emmènent tout le corps. Et c'est dans le terrier qu'ils font... Bon, voilà. Qui font ce qu'ils ont à faire. C'est les givarots qui réduisent les têtes. D'accord. Alors, Moumoun, on a retrouvé quelques-unes des personnes qui ont disparu à Boscodon, mais pas toutes. Je crois qu'il y en a encore une ou deux qui ont disparu. Oui, on n'a pas retrouvé. La dame, je ne sais plus comment elle s'appelle. La brune, non, avec les lunettes. Oui, celle qui est partie avec son groupe, qu'on n'a pas retrouvée. Ouais, elle a disparu complètement. Un boîtier de lunettes, on ne sait pas si c'est elle, je crois que c'est ça, non? Oui, c'est ça. Mm. Et le problème, c'est qu'on a retrouvé le boîtier de lunettes à l'opposé du chemin qu'elle avait pris avec le groupe, parce qu'eux, elles descendaient et le boîtier a été trouvé en haut. D'accord. Du coup, bah. À moins qu'elle se soit téléportée parce qu'ils n'ont pas vu repasser devant eux. Techniquement, elle serait redescendue. Elle était à 50 mètres devant eux, pas très loin de la fin du sentier, en fait. Parce qu'ils étaient au point d'arriver dans une espèce de prairie avant d'arriver au parking. Ouais, ouais. Mais ouais, pour Boscodon, on a retrouvé justement. C'était un peu suspect parce qu'on les a tous retrouvés limite les uns après les autres. Donc il y a des gens qui trouvent ça très très suspect. C'est-à-dire en quelques mois, on en a retrouvé trois d'affilée. Et les gens se sont posé des questions quand même, qu'on les retrouve comme ça, un peu de façon magique, comme par hasard, tu vois. C'était un peu particulier. Je crois que c'est pas Monique Thibert qu'on n'a pas retrouvé. Je crois. Ah oui. Je crois que c'est elle qu'on n'a pas retrouvée. Possible. On a retrouvé Laurence Clam. En juillet 2021, on a retrouvé ses os. Et Marie-Christine Camus, non? Attends. Non, non. Si, on a retrouvé. Non. Le 12 juillet 2021. Monique Thibert, on ne l'a toujours pas retrouvé, elle. Ah bah oui, c'est Monique Thibert. C'est là qu'on a. C'est la première, je crois. C'est avec ses lunettes qui partait avec quatre de ses amis. On a retrouvé Cédric. Ouais. On a retrouvé le SDF qui avait disparu avec un copain à lui. Son copain, on l'a retrouvé, mais il était dans un état. Il était au bout du rouleau. Et lui, on a retrouvé son corps plusieurs jours plus tard. Enfin, quelques jours plus tard, pardon. Donc, il y a vraiment, je crois, que Monique Thibert qu'on n'a pas retrouvé. Oui, mais je crois qu'il n'y a qu'elle. Hein.
C'est la seule, je crois, qu'on n'ait pas retrouvée du tout. Et c'est Non, on limite. pourra peut-être. Je sais pas. Il y en a qui pensent qu'elle s'est fait enlever par quelqu'un sur le parking. D'autres qui pensent à l'accident, mais ça veut dire qu'elle se serait juste éloignée un tout petit peu de la route pour rejoindre le parking et qu'elle serait tombée, on ne sait pas où, finalement. Mais voilà, au niveau de la bergerie, voilà, c'est ce que, comme Henri a dit, c'est au niveau de la bergerie. Mais le berger n'était pas là ce jour-là. Donc c'est lui là, il est pour rien. Et je sais que des amis à elle avaient fouillé le secteur près de la bergerie, qu'elles avaient trouvé un sac, mais elles n'étaient pas sûres que c'était à elle ou pas, elles l'ont pas pris avec elles et elles l'ont pas pris en photo. Et quand elles sont revenues, le sac était plus là. Du coup, bah voilà. Ah ouais. Bonsoir Esmeralda. Bonsoir. Effectivement, dans la jungle, de toute façon, oui, on ne peut pas tout retrouver. C'est bien ça qui est dramatique pour les familles. Mais dans la forêt, même par chez nous, quelqu'un disparaît dans les bois, ça va être si les bois sont denses et tout, ça va être super compliqué, hein. Ben, c'est pour ça que c'est souvent malheureusement des randonneurs ou des promeneurs qui retrouvent. Ouais, ou des chasseurs aussi qui retrouvent Voilà, ou des chasseurs aussi. exactement. Désirez-vous faire l'affaire de Nora? Alors je suppose que tu dis Nora Coirin. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Ça peut être envisageable. Mais toujours une enquête sur Nora, ils ont complètement fermé le dossier parce qu'il était question qu'ils réouvrent, non? Pas du tout. Pour Nora. Bah ça, Hervé, il faut demander à Monty et Lily. Hein. Non, ça me gêne pas de refaire une collaboration. Puis là, regarde le stream, il a bien fonctionné. Pourtant, t'avais de l'orage chez toi. Et tu vois, t'as rien eu. Que de Là, coupure et tout. Et on est presque à 1 h 30 de live. oui, ça paraît un petit peu facile, effectivement. Après, ça Et ne oui. peut pas être impossible, mais après, de toute façon, c'est comme tout, hein. C'est soit les disparitions volontaires, soit ils ont mis fin à leur jour. Bon, c'est une facilité. C'est comme quand on dit ah, ben, il faut attendre 48 heures. Et Ça, ça, c'est c'est du faux. Ça, c'est archi faux. C'est dingue, c'est faux. De la ouf. phrase de confort pour la police. Mais voilà. Et ça, on perd énormément de temps à cause de Ah ça. oui, 48 heures, hein, vous vous rendez pas compte, quoi. Tu C'est peux dingue. être à l'autre bout du monde en 48 heures. À l'autre bout du monde. Ouais, c'est dingue. Tu peux être au Non, c'est Japon dingue. déjà. Oui, et puis je sais pas. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que je me fâcherais, mais on n'a pas à dire ça à des familles. Ouais, bah oui, c'est ça. Quand on n'est Attendez. pas sûr, on ne dit pas ça à la famille. Quand on enquête en tant que gendarme ou policier, et bah, on a un spectre de possibilités et on ferme les portes au fur et à mesure. On ne se dit pas, ah bah, hop là, il a disparu de façon volontaire ou il a mis fin à ses jours parce qu'il avait marre de sa vie. Non. Il faut Effectivement, partir large et après réduire. après, il y a des fugues. Je veux dire, c'est vrai Oui. que des fois, malheureusement, ils y vont pour rien. Bah, pour rien, c'est jamais pour rien, mais bon. Il y a des fugues. Mais je veux dire, tant qu'on n'en est pas sûr, Voilà, quand on n'est pas sûr à 100%, il faut faire des recherches. Enfin voilà. bon. Moi, j'évite, hein, de toute façon, de dire des choses sur mes vidéos parce que je me fâcherais. Et pourtant, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est gendarme, hein, mais je me fâcherais un petit peu quand même. Parce que moi, j'ai eu des familles au téléphone et tout, mais c'est dramatique ce qu'elles vivent. Quand on Bah dit, oh oui, ben, c'est ça. il faut attendre 48 heures, il va revenir, ou sur l'affaire, tu te rappelles, Lily de Christophe, Ah oh ouais, je m'en rappelle. Oh c'est ouais. les randonnées pour retrouver son corps, mais c'est monstrueux de dire ça aux familles. Ah, c'est C'est pas comme moi quand j'avais fait la vidéo sur Michel Kabjak, là, la personne âgée qui a disparu dans les bois. Quand le gendarme a dit ah bah ce sera les. Ça va être les. Comment? Ça va être la saison de la chasse. Et bah c'est les chasseurs qui vont le retrouver, votre père. Ah, super. Tu dis pas ça, quoi. Je sais pas, Non. faut réfléchir un peu.
Je sais pas. Alors, les disparitions volontaires, ça existe parce que j'ai vu une émission dessus. Il y a une personne, elle a disparu, mais vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'elle a dit, j'ai vu un train et je suis montée dedans, c'est tout. Voilà. Je Elle me est partie permets pendant, je juste. crois, un an et demi, un truc comme ça. Et c'est tout. Pascal R, c'est Léa Petitgas qui a disparu à Nantes. Ouais. Oui, ça aussi, c'est très troublant. Oh Il y avait une émission, c'était en janvier, je oui. crois, Appel à témoins qui avait reparlé de ça. Du coup, j'avais fait Oui. une petite vidéo dessus. C'est Faut ça. pas être sa disparition. Après, de toute façon, il faut savoir que même si d'autres youtubeurs font des vidéos, qui font très bien des vidéos d'ailleurs, sur une des affaires, parce que je rebondis sur un commentaire que j'ai eu sur justement Lisanne et Chris. C'est vrai que moi, je fais des disparitions oubliées, bah, tout du moins, j'essaye le plus possible. Mais c'est vrai que quand on me le demande, surtout que là, c'est quatre enfants qui nous l'ont demandé, je ne dis pas non. Et même si cette disparition, bah, cette affaire, parce que là, c'est plus des disparitions, cette affaire est connue, je pense qu'il faut quand même continuer à en parler, parce que c'est quand Oui, même bon. parce Et que comment faut ceux qui ont continuer à en traité, ouais, bah oui, ceux qui ont traité de l'affaire, bah, je crois il y avait une alchimie qui en a parlé, mais c'était il y a 4 ans. Ça fait longtemps, 4 ans. je veux Donc dire. il faut en reparler régulièrement, sinon l'affaire tombe dans l'oubli complètement, hein. C'est ça, et les familles sont dans l'oubli. Et ensuite de ça, chaque personne a une façon de raconter et sa propre. Bon, moi, je ne dis pas mon opinion sur mes vidéos, mais je veux dire, on essaye de faire des lives maintenant pour essayer un petit peu de parler avec nos abonnés. Mais après, moi, j'essaye hein, de faire. C'est vrai que les disparitions oubliées, mais quand on me le demande, j'essaye de le faire aussi. Parce que c'est pas qu'on veut copier ou je réponds à un commentaire. Hein, c'est tout simplement qu'on ne copie pas sur d'autres youtubeurs. C'est tout simplement qu'on nous le demande, donc on essaye d'écouter nos abonnés. Voilà, tout simplement. Quelle affaire nous vous a Nous a plus marqué? marqué. Nous a plus Tout marqué. à leur façon, moi, je trouve. Elles ont toutes une partie qui est plus marquante que les autres. C'est-à-dire Léa, bah, elle est juste sortie de chez elle et puis elle s'est complètement évaporée. Michel Cabiac, la personne âgée qui avait disparu, on a retrouvé le corps plusieurs mois plus tard. C'est sa fille en plus qui l'a retrouvée. Ça devait être horrible pour elle. Je l'ai fait parce que bah, ça m'a choquée en fait de me rendre compte que parce que c'était une personne âgée, tu disparais, bah. Pff, en gros, c'est ça. C'est pas grave, c'est la nature, tu sais. En gros, c'est limite ça. Hein. Il avait 88 ans, bah. C'est la vie, hein. C'est pour ça que j'en ai parlé parce que ça m'a fait limite penser à ça. Il n'y avait pas beaucoup d'articles sur lui, le pauvre monsieur en plus. Alors je fais une petite vidéo sur lui parce que pauvre monsieur. Hein. En plus, on sait même pas les causes de son décès. Ils disent qu'il s'est noyé. Tu te noies où? En canicule, franchement. Au mois d'août. Non mais. Ouais, c'est bizarre. Bah oui. Après, moi, mon affaire qui m'a le plus marqué, c'est celle de Mathieu. Alors, pourquoi Mathieu? C'est tout simplement parce que je suis persuadée, au fond de moi, comme ses parents, qu'il n'est pas décédé. Mais après, toutes les affaires, d'une manière ou d'une autre, elles nous marquent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le temps qu'on passe à faire des recherches. Et on rentre quand même un petit peu dans l'intimité des gens, hein, pour ce qu'on peut trouver Ça. sur Internet, ou quand on a la possibilité d'avoir la famille. Donc, c'est quand même très, très dur de sortir de tout ça après. Donc, chaque disparition nous marque d'une manière ou d'une autre. Moi, les disparitions qui m'ont plus marqué, ben, c'est Odette Barlet. D'ailleurs, a priori, elle a été retrouvée, décédée. Pas son corps complet, enfin bref. Et il y a Rose Jewett qui n'a jamais été retrouvée, une personne âgée qui a disparu aux États-Unis. D'ailleurs, il n'y a même pas de photo en fait sur cette personne. Et il y a Super. Tony Dubocage, un jeune qui a disparu à Fécamp et la justice a complètement fermé le dossier. Et combien d'autres qui ferment les dossiers sans savoir ce qui s'est passé, Oh, hein? mais c'est ça. On a retrouvé Henri quelques personnes, Oui. hein,
Il y a quand même encore certainement des disparitions d'ailleurs volontaires, mais c'est vrai qu'il y a plus malheureusement de disparus qui ne sont jamais retrouvés que de personnes qui sont retrouvées, et c'est bien malheureux. Après, c'est vrai qu'attention, hein, on ne va pas partir tout de suite dans le drame, il y a des disparitions volontaires forcément. Oui, c'est ça. Ça, c'est un drame quand même. Il y a des accidents, il y a des meurtres, mais il y a quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, des disparitions volontaires. Et que les personnes ne veulent pas. Bonsoir, Ricky Smith. C'est joli l'Écosse. Non, ce n'est pas le premier live qu'on fait. Je crois que c'est le deuxième, non, Kenna? On avait fait un live au niveau de Lars Mittank. Oui. Au mois de mai, je crois. Je sais plus, ouais, je crois. C'était votre tout premier live quand je suis venue à la fin du stream. Oui. Oui, oui, oui. Ok. Oui. On n'est pas très à l'aise en live. Merci beaucoup, Hervé, c'est très gentil. C'est un de mes premiers abonnés d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord, Pascal. De toute façon, si on s'arrête parce que les personnes ont fait déjà cette vidéo, on ne fera plus rien en fait. C'est ça. Alors, Marine B, oui, elle a des contacts avec les familles puisqu'elle est enquêtrice au niveau de la. C'est ça, elle fait partie de l'association depuis janvier, je crois. C'est ça. Moi, n'étant pas enquêtrice de la RPD, j'ai des contacts avec les familles également. Lily a eu des contacts avec les familles à Manti, je ne sais pas. C'est vrai que c'est plus facile quand on a la possibilité d'avoir des familles. Mais c'est vrai que des fois, bah, moi, je fais beaucoup de disparitions à l'étranger. Je ne peux pas toujours avoir les familles et je n'ose pas non plus les déranger. Donc, des fois, ça m'arrive quand même de leur signaler que je vais faire une vidéo. Mais des fois, ce n'est pas possible parce que ben, c'est trop récent ou on n'arrive pas à les avoir ou tout simplement on n'ose pas ou alors ils ne nous répondent pas. Mais pour Marine B, oui, c'est facile puisqu'elle est enquêtrice de la RPD. Donc, c'est plus facile d'avoir les familles sur place. Puis même enquêter sur place, je crois qu'elle a déjà fait. Oui, mais on ne vous cache pas qu'il y en a une de nous trois qui voulait être enquêtrice de la RPD. C'est une journée de formation. Alors, je ne sais pas si ça va le faire, mais voilà. Vous voyez, hein, vous pensiez qu'il y aurait pas, on ne serait pas beaucoup. Bah, et nous sommes 26. Et on a beaucoup parlé. Bon, oui, c'est ça, hein, chaque pierre. Chacun apporte sa pierre. Oui, oui. On fait comme on peut. On essaie d'être avec vraiment les tout petits, minuscules moyens qu'on a. Et après, voilà, on aime ou on n'aime pas ce qu'on fait. De toute façon, moi, pour ma part, je ne le fais pas pour faire du buzz ou pour faire des vues ou pour avoir des abonnés, même si grâce à vous, ma chaîne existe. Mais je le fais surtout pour aider un minimum les familles et j'espère que ça les aide un minimum, qu'on ne les oublie pas surtout. Bah moi, personnellement, c'est pas sur YouTube que j'ai des contacts avec les proches, c'est sur YouTube. Quand j'ai commencé à publier l'année dernière, j'ai des proches qui ont vu mes vidéos et tout et qui m'ont remercié. Il y a des mêmes qui m'ont dit bah, « on n'en parle pas dans la famille, c'est tabou. » Oui, bah ça, on parle plus d'elle et tout. Ça montre bien l'impact en fait, que ça sur la famille de pas avoir de réponse en fait. Je pense sincèrement que ça doit être extrêmement compliqué. Soit on peut tomber sur une famille qui veut en parler parce qu'ils ne veulent pas oublier. Ils veulent surtout que tout le monde le sache. Et je pense qu'il y a des gens qui réagissent différemment et qui ne veulent pas en parler parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont de peine ou voilà. Et ça, c'est quand même très compliqué. C'est pour ça que c'est très compliqué. D'aller voir les familles ou d'envoyer des messages aux familles. On ne sait pas leur réaction, en fait. On n'a pas envie de les déranger. C'est ça, on a peur qu'ils le prennent mal, qu'ils prennent peut-être comme un affront, hein, finalement, d'en parler. C'est difficile.
Après, moi, j'ai des amis qui me contactent directement, donc ça, je préfère. Mais c'est vrai que si c'est moi qui vais vers les familles, c'est très délicat. Ben, c'est grâce à une enquêtrice qu'on a pu sortir plein d'infos inédites. C'est vrai que c'est grâce à elle qu'a fait un travail remarquable. On pourrait leur mettre peut-être le lien, non Ouais, ouais, CamilleG.fr, ouais, c'est ça son blog. Ouais, je crois que ça sera la barre de description. En plus, elle est allée sur place aussi, comme d'autres enquêteurs, en fait, pour faire le sentier et tout ça. Elle a refait tout le sentier, en fin de compte, tout fait. Hein. Bah, de toute façon, pour moi, j'estime, Henri, que quand on fait des vidéos sur les disparitions, il faut avoir de l'empathie. Il faut se mettre à la place, en fin de compte, des familles, même si on ne se mettra jamais à la place des familles. Mais je veux dire, il faut quand même imaginer ce qu'elles peuvent ressentir. C'est pour ça que c'est très délicat de se permettre de dire notre point de vue. Bah, pour ma part, hein, de se permettre de dire notre point de vue, moi, j'ai beaucoup de mal. Parce que je peux me tromper, je ne veux pas blesser, et c'est quand même très compliqué. Après, quand j'ai la chance d'avoir les familles au téléphone ou par message, on en discute, mais après, si je ne les ai pas, si je n'ai pas la confirmation de quelque chose, je ne vais pas m'avancer à dire quelque chose que je ne sais pas. Après, je ne critique pas ceux qui le font, attention. Moi, ça m'arrive de le faire, mais pas sur toutes les disparitions ou crimes. Parce que des fois, je peux me mettre à la place de la victime ou de son tueur, mais des fois, c'est plus compliqué. Ouais, là, le live, effectivement, on essaye d'envisager ce qui a pu se passer et tout. Mais encore une fois, on ne peut pas savoir. On n'est pas sur place. C'est purement spéculatif. Et puis, franchement, pour vraiment se mettre à leur place, il aurait fallu qu'on ait le dossier d'enquête entre les mains, déjà. C'est ça. Encore, je pense que même là, ce n'est pas évident non plus. Et sur les disparitions, c'est encore moins évident parce que d'aller faire des hypothèses, par exemple, de dire c'est un accident, j'en suis sûre, ou c'est un meurtre, j'en suis sûre, ou là, ça peut toucher énormément les familles. Hein. Parce que les familles gardent espoir quand même, et heureusement, c'est ça qui les fait tenir, je pense d'ailleurs. Donc c'est très très difficile. Après, moi je sais que quand je fais mes vidéos, ça ne m'empêche pas de me poser des questions et de me dire, bon, bah, moi, je pense plus ça ou ça, mais je le garde pour moi, en fait. Ou on en parle entre nous. Voilà. C'est ça. Ça aussi. C'est vrai que plusieurs fois, tu as vu, j'ai donné des théories, quoi. Mais des fois, je suis allée un peu trop dessus, quoi. Ben, je vais pas critiquer les autres youtubeurs, Henri, mais oui, effectivement, oui. Il y en a qui font ça. Trop loin. Il y en a qui font ça pour le buzz, oui. Oui, bon, après. Après, c'est chacun, hein, fait comme il veut. Hein. Oui, voilà. Mais moi, je n'irai pas, par contre, les embêter sur leur chaîne en leur mettant des mauvais commentaires. Voilà. Ou en étant irrespectueuse. Je ne pense pas que la police soit complice parce qu'ils n'arriveraient pas à résoudre l'affaire. Il faut se dire que par an, il y en a un qui m'a demandé en commentaire sur une de mes vidéos, par an, il y a 15% des crimes qui ne sont pas élucidés dans un délai raisonnable. Alors, il faut savoir ce que c'est un délai raisonnable. Il faut savoir que par an, il y a à peu près 1000 homicides par an en France. Donc, il y en a quand même 15% qui ne seront peut-être jamais élucidés. Et c'est énorme. Après, le délai raisonnable, on ne sait pas ce que c'est. Je pense que c'est plus... 6 mois, un truc comme ça. Genre, s'ils arrivent vraiment avec tous les éléments, ils n'arrivent pas à trouver le coupable, bah, ils se disent, bah, on ne trouvera jamais, en fait. Parce que si malgré l'ADN, malgré des vidéos de caméras de vidéosurveillance, on ne trouve pas, bah, si malgré les éléments, on ne trouve pas, ou s'il n'y a pas de suspect, bah, ils ne trouveront pas, en fait. Ben, c'est pour ça qu'il y a une cellule là, qui va ouvrir de cold case pour... Tous les crimes et disparitions non résolues. Et ça pourra peut-être, et j'espère, faire avancer certaines affaires.
Comme il y a beaucoup de disparitions. Merci de m'écouter, Clarence, pour ton message. Ben après, ça peut, oui, peut-être ouvrir des consciences et puis surtout ne pas les oublier. Oui, c'est ça. Il faut en reparler irrégulièrement parce que sinon les gens oublient parce que les gens reprennent leur vie et leur train quotidien. Puis il y a d'autres crimes, d'autres disparitions, encore peut-être plus horribles. Et puis les gens oublient quoi. Non, puis ce qui a été horrible, je sais que les deux affaires ont été horribles, hein, je ne dis pas ça. Mais quand Gabi Petitot, l'américaine qui a disparu, malheureusement qui a été retrouvée décédée, au même moment, il y a eu une autre affaire de disparition. Et en fin de compte, les journalistes ne se sont pas du tout inquiétés de ça. C'est ça. En fin de compte, j'ai vraiment l'impression que des fois, les journalistes, ils choisissent, en fait. Mais oui, ils choisissent. Ils choisissent une affaire qui va faire la une de leur journaux pendant plusieurs semaines. C'est ça. Et c'est ça qui est horrible. Parce que ces familles-là sont complètement... avaient parlé de ça. Et il avait été complètement mis de côté, en fait. Mm. Merci, Pascal, pour ton message aussi. Ouais, et oui, merci, Pascal. Il y a 3000 corps qui sont enterrés sous X chaque année. Ouais, tu as raison, Henri. C'est énorme. Tu as raison. Et malheureusement, comme on ne fait pas d'ADN, de prise ADN dessus, on ne saura jamais qui c'est. Si ça se trouve, c'est des gens disparus qu'on recherche désespérément. Et puis, malheureusement, comme on ne cherche pas là-dedans, ces personnes restent disparues. Mais c'est ça qui est horrible. Ça ne devrait pas exister. Mmh. Parce que peut-être certaines disparitions sont quand même enterrées sous X et que les familles ne sauront jamais. Mmh. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, ça. Parce que l'expertise d'ADN, ça a un coût. Je ne sais pas combien ça coûte. Oui, c'est encore. Je pense que c'est une question de sous encore. Encore une fois, c'est une question d'argent. Comme d'habitude, hein. Malheureusement, on en arrive toujours pareil. Hein. Ça, je ne dis pas, hein, les enquêtes, les recherches et tout, ça c'est sûr. Hein, ça coûte de l'argent, mais bon, je veux dire, on parle d'humains, là, d'êtres humains. Et on parle de familles derrière qui attendent désespérément d'avoir des nouvelles ou d'avoir quelque chose. Je dis qu'il y a certains, j'ai bien dit certains, attention, avec des énormes guillemets, certains forces de l'ordre, gendarmes, policiers, qui ne se mettent pas à la place des familles. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais qui ne se mettent pas à la place des familles et ça doit être extrêmement dur. Oui, il faudrait que la loi change. Mais... Ah oui, oui. Avec une obligation de prélèvement. C'est ça. En fait. Mais je crois que ce n'est pas demain la veille. Hein. Malheureusement. Ça coûte de l'argent, mais il faut penser quand même. Je ne sais pas, on recherche quelqu'un et malheureusement, il est décédé, il est enterré sous X. Ça faire ça aussi. C'est que techniquement, aller rechercher une personne disparue qui est enterrée sous X, ça coûte de l'argent aussi. Tu vois, en fait. Parce qu'on la recherche alors qu'elle est dans un cimetière quelque part en France enterrée sous X parce qu'elle a disparu dans un elle a disparu à un point B, enfin un point A, et puis elle est décédée dans un point B et on enterre sous X près de ce point B en fait. Et ça aussi c'est un coup. Il y en a une qui s'est envolée. Ouais, elle a dû avoir un souci, elle va peut-être revenir. Il y a Lily qui a disparu. Le problème, les deux sont à coup. Après, c'est d'habitude. Il faut. Il n'y a pas de juste milieu. C'est tout ou rien, en fin de compte. Et c'est ça qui est dommage. Je suis désolée, j'ai disparu 3 secondes. J'ai eu un bug. T'inquiète. Je vais voir combien ça coûte. Une expertise ADN. Une analyse ADN. Je suis sûre que c'est autour des. Des 1500 ou 3000 euros, en tout cas, c'est plus cher que ça. Soit des tests ADN, ou soit si le corps est pas trop abîmé, tout du moins des photos, pour que les familles puissent... passer une bonne soirée, Véro, à bientôt. Puissent reconnaître, si c'est le cas, leur disparu. Et ça, je ne sais pas si c'est fait. Je ne pense pas. À mon avis, à moins qu'ils pensent retrouver le corps d'une personne qui a disparu dans le coin et on a retrouvé un squelette, là, ils vont faire une expertise ADN.
Mais si je trouve un squelette pêle-mêle dans les bois, ils chercheront pas. Finalement, c'est une sorte de sou et de paperasse, en fait. Oui, mais c'est comme tout, de toute façon, tout est amené. Bonne soirée, Véro. C'est ça qui est moche, mais bon. L'argent fait avancer beaucoup de choses et reculer beaucoup de choses. C'est 1500 euros un test ADN. Ah oui, quand même, d'accord. Ah, je pensais que ce serait plus cher que ça. Donc, mais oui. Voilà, c'est 1500 euros. Quand on va par là, 1500 euros un test ADN, mais les recherches, ça coûte très cher. Ça mobilise des hommes, et des moyens, des outils informatiques, tout ça, pour faire des vérifications. Du coup, est-ce que ça ne coûterait pas moins cher de faire des expertises ADN sur tous les corps enterrés sous X et de les mettre dans un fichier national, parce qu'ils vont être comparés à tous les gens qui ont disparu, parce que les parents ont donné des cheveux, je sais pas, des bijoux, etc., où il y a une empreinte génétique dessus, en fait. Ouais, ça pourrait peut-être coûter moins cher. Parce que quand tu regardes, par exemple, on va prendre le cas Cécile Valin, qui s'est volatilisée sur la route, sur une départementale. Imaginons, elle est décédée, je ne sais pas, à 50 km de chez elle parce que quelqu'un l'a kidnappée. Et puis, ça finit par un crime, en fait. Puis, il a déposé le corps dans les bois. Et que, comme c'est très loin de chez elle, ils n'ont pas fait le lien, en fait. Et malheureusement, ils l'ont enterré sous X. De toute façon, sa famille la recherche depuis tout ce temps. Et puis, elle est dans un cimetière sous X à 60 bornes de chez eux, en fait. Enfin, 60 bornes du lieu où elle a disparu. Et une affaire comme ça, une jeune fille qui avait disparu, volontairement par contre, elle. Hein. Elle était partie volontairement, mais bon, le temps que la famille sache que c'était volontaire. Et elle a été retrouvée grâce à son frère qui était devenu policier parce qu'il voulait absolument savoir ce qui était arrivé à sa sœur. Et elle a été retrouvée parce qu'elle s'était fait écraser par une voiture. La vache. Et elle avait été retrouvée grâce à son frère parce qu'il avait fait toute une enquête et tout. Ouais. Mais c'est pas aux États-Unis, ça, cette histoire ? Oui, c'est aux États-Unis. Ouais, je sais plus le nom, mais je vois, oui, effectivement. Mais si son frère n'avait pas fait autant de recherches, voilà. Elle serait restée disparue ad vitam. C'est ça. Ah oui, mais je sais plus le nom, mais ça me reviendra. Mais oui, mais juste, ouais. Et ça, je pense que malheureusement, il y a quand même beaucoup d'affaires qui sont peut-être comme ça. Oh, mais c'est possible, hein. Après, il y a aussi, il faut dire que malheureusement, quand on retrouve pas des disparus et que ça dure dans le temps, c'est-à-dire des années et des années, il y a souvent aussi les familles qui décèdent sans savoir ce qui s'est passé. Et après, malheureusement, on cherche. S'il n'y a plus personne pour relancer l'enquête, ça tombe dans l'oubli. Ceux qui mettent des procès-verbales, ce n'est pas les mêmes que ceux qui enquêtent. Non, mais après, il n'a pas tout à fait tort, mais là, après, on va partir dans un débat. Oui, on y est encore à 2h du matin. Hein, tout de suite, hein, si on me parle dedans, à 2h, on y est encore. Ah, mais moi, je vais revenir sur 5 minutes. Si déjà, le journal de 13h, 20h, enfin bon, tous les journaux qui existent à la télévision, prenez juste une minute chaque jour, même plusieurs fois par jour, parce qu'il y a plusieurs journaux quand même télévisés, pour parler d'un disparu, déjà ça changerait. Parce que sans être méchante, hein, c'est pas du tout méchant ce que je vais dire, hein, c'est horrible. Hein. Mais on a parlé tellement de Delphine Jubilard, et j'espère qu'elle est en vie, hein, pour ses enfants surtout, mais on parle pas des autres. C'est ça. Delphine Jubilard a occulté tous les autres disparus. Et c'est moche, attention, on a besoin qu'on en parle aussi, hein, de cette femme-là. Hein. Mais je veux dire, par là, pourquoi pas faire ça avec tout le monde ? En fait, ce que je vois pas, c'est pourquoi elle, est-ce qu'elle a fait le buzz ? Sincèrement, les journalistes ont fait le buzz avec elle. Et pourquoi les autres, ils sont complètement passés de l'autre côté. On les a complètement occultés, en fait. Je ne sais pas. Moi, de toute façon, je n'arrive pas à me sortir de l'idée que ça peut mettre qu'une minute par jour, même un peu plus. Et c'est quand même pas grand-chose.
J'ai l'impression que de toute façon, des fois, on est un peu inhumain hein, en tant qu'humain, hein, c'est qu'à de le dire. Hein. Je remarque qu'il y a des youtubeurs avec beaucoup d'amour qui ont pensé pas les aïeux. Oui, parce que ça fait, encore une fois, ça fait, sans vouloir critiquer les autres youtubeurs hein, qui font ça, ça fait le buzz, tout simplement, parce que les gens aiment bien, le, entre parenthèses, ouais, des gros, voir tous les détails. Ouais. C'est pas sordide, c'est, c'est entrer dans l'intimité bah, familiale, en fait, voilà. Des gens. Et de tout savoir ce qui s'est passé. C'est pas de la télé, la réalité, mais pour certains, c'est ça. C'est, ils voient ça comme un truc à la télé. Parce que ça ne leur arrive pas à eux, ils ne se sentent pas concernés, ils ne se projettent pas plus. Mais ça peut un jour devenir leur réalité à eux, quoi. C'est ça qu'il faut qu'ils pensent. De toute façon, comme d'habitude, comme je dis, c'est un choix. Quand on fait notre chaîne, c'est un choix comment on veut gérer notre chaîne. Oui. Chacun fait comme il veut. Mais je sais que c'est comme... on part complètement ailleurs. Hein. C'est comme... comment ça s'appelle les personnes sur YouTube qui montrent leur maison, les vlogs, je suis en train de chercher. Ouais, ouais, les vlogs. Ben, ça fait beaucoup de vues parce que les gens sont tellement curieux, en fait, c'est de la curiosité, de savoir où les personnes vivent et ce qu'elles font de leur vie, en fait. Mm. Après, c'est un choix, hein. Ça, c'est chacun. Hein. Moi, je sais que ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Du coup, j'étais à des années-lumière quand j'ai commencé ma chaîne à me dire que j'allais avoir 6000 et quelques abonnés, je ne sais même plus combien, 6578. Ça a l'air bizarre quand tu as passé les 10 000. Voilà. Oula. Non, mais je suis mais ravie de ma communauté. C'est des gens professionnels, très gentils. Et c'est encore grâce à eux que ma chaîne existe. Et voilà, ça, sincèrement, je ne vais pas chercher plus... J'aimerais qu'il y ait plus d'abonnés, forcément, puisque les disparitions seraient plus vues entre nous. Mais voilà, c'est magnifique, et j'en remercie énormément encore. Mais après, bon, c'est chacun fait comme il veut sur sa chaîne, de toute façon. C'est ça. Moi, je donne un petit peu de détails, mais j'essaie de pas trop aller dans le trash. Mais je donne quand même un peu de détails. Après, ça passe. Après, il y en a, ça passe tout seul. Hein. Je veux dire, les détails et tout. La chaîne qui est exceptionnelle et que ça passe tout seul, c'est Max Skype. Il y a une façon de faire en fait qui fait que ça passe. Voilà. Et il y en a d'autres, ça va moins bien passer avec certains. En fait, c'est pas trash la façon dont il le dit. Il le dit normalement. Il dit que c'est horrible quand même, mais il reste pas 5 minutes dessus quoi. Comme à regarder après minuit, la chaîne ça passe aussi. Le commentaire d'Antoine, regardez. D'évoquer les huîtres. Non, mais c'est... Camembert. Ou le camembert de Normandie. Bah, c'est vrai, au moins pour les crimes, parce qu'en France, il y a 3 crimes par jour à peu près, c'est une moyenne. Oui. Et il y a 60 disparitions par jour à peu près. Donc 60 disparitions, c'est peut-être pour les médias, les gros médias, c'est peut-être un petit peu chaud de faire les 60 dans la journée, parce que ça va être dispatché dans la journée, puis il faudrait des gens qui soient toujours en alerte, en fait, en veille, pour voir s'il y avait un cas de disparition aussi. Bon, moi, je ne vais pas de 60 heures, je vais passer là-dessus, parce que il y a assez de gens qui recherchent du travail. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui pourrait être fait là-dessus. Faire une chaîne à la télévision pour montrer toutes les disparitions qu'il y a dans le monde. Non, les filles, Tana, Menti, on fait une chaîne à la télé et puis on en parle. On va concurrencer. Comment il s'appelle ? Il y a une émission qui s'appelle Crime, je ne sais plus quoi, là, qui passe ce midi. Je ne sais plus son nom. Chronique criminelle, non ? Non, c'est pas ça. Non, il fait vraiment l'actualité des criminels et disparitions de la semaine. Un petit c'est peu les trucs hein. qui ont fait le buzz et tout, mais il en parle. C'est sur M6, hein. Mais je ne me souviens plus le nom de la chaîne de l'émission. Hein? Elle veut pas m'écouter à mentir. J'ai pas compris. C'est gentil, merci beaucoup, Paul. C'est très gentil. Chacun a sa façon. Après, de toute façon, on aime ou on n'aime pas. Hein.
On peut aimer notre façon de parler, on ne peut pas l'aimer. On peut aimer notre chaîne, on ne peut pas l'aimer. Après, moi, je ne critique pas. Je suis pareil. Hein. Je suis abonnée à certaines chaînes et pas d'autres. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Paul. Comment ? Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Paul. Pas du tout d'accord. D'ailleurs, elle te dit bonsoir, la personne. J'arrive pas à prononcer le pseudo, là. Amine RZ. Si je le prononce bien, ça m'étonnerait. Oui, mais après, moi, je ne suis pas d'accord avec Paul là-dessus, parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ma Skype. Mais après, ça, c'est chacun le ressent différemment. Je la connais, Amy. Elle a posté un commentaire tout à l'heure sur ma chaîne. Sur ma chaîne où je mettais l'actualité de la semaine. À propos de d'une affaire qui va être remise en... Enfin, la personne dit qu'elle est innocente et tout. Et les verdicts, c'est mercredi, vendredi prochain. D'ailleurs, je peux faire une petite pub pour Maskies. Ouais, Maskies. Il va sortir un livre, là, dans quelques jours. Enfin, normalement, c'est mis en vente. Je crois qu'il y en a déjà qui ont été livrés, mais si jamais il a sorti un livre. Ah ouais, je l'avais entendu parler. Pour ceux qui aiment Maskies. D'accord, Ami. Bah, je n'avais pas vu, d'accord. Bon, Lily, on va vous dire que Lily est une fan inconditionnelle de Maskies. Elle en parle beaucoup du petit Maskies. Je n'irai pas non plus, on va pas. C'est pas aussi fort que ça. Je suis pas non. Non, mais j'aime bien ce qu'il fait, c'est vrai. J'aime bien sa petite touche d'humour, en fait. Ça passe. Ah, moi, j'aime bien comment il raconte. C'est vrai. Ouais. Je ne connais pas du tout. Je vais regarder. Ah non, pas du tout. Non plus. La dernière vidéo des dossiers FBI. J'ai noté. J'ai une feuille sur moi. Je suis sur le bord de la route. Ouah, 600. Pas entendu, moi. Attends, c'est... J'espère que c'est pas un tueur en série parce que t'as les points des flics, mais un truc de dingue, quoi. Non, je vais me renseigner. Non, sincèrement, je connaissais pas ça. Je vais noter. Je chercherai ça demain. Et t'en fais pas, Agnès, pour le meurtre de Claire Bouchot, je ferai un update samedi. Si les médias disent qu'il est reconnu coupable, s'ils le disent. J'espère que... Mon gosse blondine. Non, alors, le mot, j'aime bien la façon dont il parle, c'est vrai, ça j'aime bien. J'aime bien sa petite touche d'humour, je sais pas, il a un truc quand même, il faut le dire. Oui, il a son petit charme, faut pas se mentir, ouais. Pas se mentir. C'est vrai, on reste pas insensible. Oui, je l'ai l'épisode de 600 femmes tuées, épisode complet. Ouais. Mon Dieu. Encore quelqu'un de charmant, ça. Oh. Vous êtes peut-être entendu mon clavier parce que du coup, je vais regarder sur Internet le dossier FBI, là. Voilà, ben moi, il y en a un qui me préfère, au moins. Merci, Hervé. Mais j'ai jamais dit que je détestais, mais qu'est-ce qu'elle va dire encore, celle-là? Non, mais ça s'est passé pourquoi? C'est un tueur en série, le camionneur tueur. Il a tué 600 personnes, mais c'est pas possible. T'as dit, c'est... Oh, wow. Mon Dieu. C'est même plus un serial killer, là. Oh, mon Dieu. Ah oui, il y a un documentaire sur YouTube de 45 minutes. Ouais. Je le regarderai demain matin. Tu vois, envoyer sur Messenger à Montier. Ouais, j'envoie le lien. Ça nous évite de chercher, t'as vu comment on écrit. Ah non, mais j'ai trouvé, moi. C'est True Crime Stories. Lien, en fait. Bah, tu fais partager en dessous. Tac. Attends, parce que je suis pas rentrée sur... Ouais, c'est True Crime Stories, ouais, c'est ça. C'est dommage que moi je puisse pas le mettre en lien sur les commentaires parce que j'ai pas accès, comme on n'est pas le patron du live.
Non, mais il aurait tué vraiment, sincèrement, 600 personnes. Il est prolifique, quoi. Parce que même le... Comment il s'appelle ? Très charmant. Même le tueur du Zodiac, il n'a pas autant de victimes. Je ne sais pas si tu te rends compte. 600, quoi. 600. Attends. Non, mais c'est... On va dire qu'il a tué pendant 20 ans. Voilà. Hypothétique, hein. Il n'a pas fait routier toute sa vie. Victime par... Wow. Ah, Pascal R s'est abonné à ma chaîne. Merci Pascal R de t'être abonné à ma chaîne. J'ai une question à vous demander pour les abonnés. Est-ce que vous, ça vous arrive d'avoir des abonnés, mais quand vous regardez le nombre d'abonnés, vous savez où il y a les noms et tout, vous n'avez pas les noms de tout le monde. Moi, j'ai 350 et quelques, et j'en ai à peine 70 où il y a des noms, en fait. Et je ne sais pas pourquoi. Attends, refais-moi le ta question, pardon. J'ai 300 et quelques abonnés. Oui. Ouais. Et quand je veux savoir les noms de mes abonnés, là par exemple, j'ai su que Pascal R s'était abonné à ma chaîne. Ah non, ben, c'est normal. J'en ai que 70 où il y a leur nom en fait. Oui, mais c'est normal. Alors, soit ils s'abonnent, ils n'ont pas mis leur chaîne en public. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est des abonnés cachés et non cachés. Punaise, j'ai des trois quarts, c'est des abonnés cachés. Ils sont, c'est des petits sneaky. Ils se sont camouflés. Il y a Henri qui demande une chaîne, mais je ne sais pas laquelle. Je pense que c'est toi, mon petit. Ah, peut-être. Moi aussi. Oui, protéger. Oui, des faux abonnés, ça s'achète. Oui, mais bon, je ne vois pas l'intérêt parce que ce n'est pas les abonnés qui comptent, c'est les vues. Hein. Voilà. Les abonnés, ça compte juste pour la monétisation au début. Puis après, tu as des petits bonus. Par exemple, à 500 abonnés, tu as l'onglet communautaire. À 1000, tu as la monétisation. Puis après, c'est 10 000, mais tu as juste le petit. Comment ça s'appelle ? Le petit trophée, là, c'est tout. Après, c'est que tes trophées. Si 10 000 abonnés, si Kana atteint les 10 000, elle peut être sponsorisée. C'est tout. Elle n'aura pas de trophée. Avant, il y avait un trophée bronze pour les. À 100 000, pour les à 100 000 abonnés, elle a le trophée bronze. C'est jamais. Arrêtez. Déjà, j'en serai jamais à 100 000 abonnés. Et ensuite de ça, moi, de toute façon, ma chaîne ne sert pas à ça. Moi, tout l'argent que je récolte sur YouTube, le très peu d'argent, parce que quand même dire les choses comme elles sont, moi, c'est pour une association disparue. Hein. Donc, moi, je récolte rien du tout là-dessus. Ah, mais c'est l'association qui récolte. Et d'ailleurs, tu donnes à quelle association ? Je donne tout à l'association. À laquelle ? Sébastien, l'association. Ben, je le mettrai en description, j'en ai quatre. D'accord. Bon, là, c'est la guéguerre avec la chaîne Mascape. Abonnez-nous. Oui, oh là là. Parlez pas trop parce que je crois que Maxfield, il a eu un clash avec quelqu'un d'autre il y a plusieurs années. Parlez non, pas trop. On aime ou on n'aime pas. Par contre, Henri, tu fais la chaîne d'Avanti. Quelle chaîne tu aimerais ? Il n'y a que toi, Kana, qui peut mettre en lien. Nous, on n'a pas accès aux commentaires. Ah bah si, je peux mettre en commentaire sur le YouTube de base directement, tu me diras. Exactement, Marie. Après, c'est chacun son style, on aime ou on n'aime pas. Merci Henri, c'est gentil. Bah, j'estime que je n'ai pas à me faire de l'argent sur les disparus, donc j'avais trouvé cette solution-là, de tout donner à à plusieurs associations, parce que je dis toujours une, mais c'est plusieurs associations. Moi, je roule sur l'or, bah, si seulement. Ouais, mais s'il te plaît, mais dis voir, ton avion privé, ton hélicoptère. Ça y est, Kana. Ah, mais elle veut pas, mais elle voulait pas le dire, en fait. Elle voulait pas le dire, mais c'est une cachotière, Kana, quand même. D'ailleurs, ma chaise, là où je suis assise, elle commence à me faire mal parce qu'elle est en or et c'est pas très agréable. Ah, c'est Amanti, c'est ta chaîne qu'il faudrait savoir. Attends, non, Pascal, bon, Pascal R s'est abonné tout à l'heure. J'ai eu une notification il n'y a pas longtemps. C'est qui dit ? Troisième personne. Quelqu'un arrive à envoyer mon lien de chaîne. Attends. Écoute, je le fais, mais ça a bugué. Il y a une de vous qui arrive à envoyer le lien de ma chaîne ou pas ? Attends. Si
c'est possible. Tac. Bah, exactement, oui, il y a beaucoup de youtubeurs qui vivent de ça, et tant mieux pour eux, parce que j'estime que déjà le monde du travail est très difficile. Donc s'ils peuvent vivre de ça, tant mieux. Mais pour vivre de YouTube, sincèrement, il faut vraiment y aller. Hein. Mmh. Je vous assure, il faut vraiment y aller. Hein. Ouais, mais elles sont massives, mes chaises en or, donc elles font mal. J'aurais dû mettre un petit coussin. Ah, moi, j'ai quand même une chaise à roulettes, mais je suis sur une table de jardin. J'ai mis le lien. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir cliquer dessus. Attends, je ne vois pas. Ah, tu viens de le mettre ? Ouais, ouais. Je l'ai mis sur YouTube directement parce que je ne peux pas interagir non plus avec le chat sur StreamYard. Attends, mais je ouais, parce que attends, je sais pas comment. Donc là, je crois pas que les gens peuvent cliquer dessus. Attends, je vais essayer de mettre les. Je sais pas faire de lien hypertexte. Je suis désolée. J'espère que ça va pas couper. Autrement, je reviens. Je suis désolée parce que ma connexion. Pourtant, je suis très très riche, hein, mais j'ai pas de connexion. Je comprends pas. Non, elle habite dans la pampa. Là. Dans la pampa. Elle habite dans la jungle du Panama aussi. Tiens. Mais vous en faites pas. Alors, elle a la fibre en septembre. Par contre, sincèrement, elle s'est abonnée à la chaîne de 1911. Bah, ouais. Et l'autre, je sais pas. Et oh, hein. Hein. Ah, Boukassine aussi, je la suis depuis. Ça va faire Boukassine, pas Boukassine. Boucassin. Ça fait Bécassine. Mais je dis toujours Boucassine. Je crois qu'il y a une vidéo où je la cite. Et du coup, c'est Boucassine. J'espère qu'elle ne tombera jamais dessus, du coup. Hello à tous. Voilà le lien. Demain. Ah bah ouais, bah attends, je vais poser le lien. Mais Boucassine, je la suis depuis peut-être 4 ou 5 mois. Elle fait un super bon travail. Avec ses... oui. C'est elle qui fait les histoires en Italie et tout, là. Je crois que c'est elle. Ouais. Ah, oui, c'est trop bien. J'adore son contenu. Elle est très, très bien. Attends, je supprime mon truc parce qu'en fait, il ne peut pas cliquer sans mon lien comme je ne suis pas... Je supprime mon truc. J'avais posté aussi un lien, mais... Merci, Canada, voilà. On a posté les liens. C'est Amanti. Il faudra qu'un jour, on personnalise nos liens de chaîne. Je sais qu'on peut le faire, mais je sais plus comment on fait. Mais je sais qu'on peut le faire. Pascal, c'est Lily 911 avec la tête de Lily. Donc, ne prends pas peur. Et Amandine, c'est un petit, c'est une petite femme. Un petit avec une loupe. Avec une petite loupe. Voilà. Amandine. Tu tapes juste. Il faut juste taper Amandine. Et puis, comme il y a. Franchement, il y a juste un groupe de métal qui s'appelle Amandine. Et après, c'est moi. C'est tout. Donc. Je me perds pas. On ne perd pas du. Ah, Maxide aussi, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps qu'il fait ces vidéos-là? Ça fait 10 ans. Mince. Tu sais quand tu vas dans les maisons abandonnées. C'est de l'urbex. L'urbex. Je crois que c'est comme ça que j'ai découvert en urbex. C'est ça. Parce que je suis fan d'urbex. Je regarde du Gabriel et Corentin de temps en temps, mais j'adore. Je ferai partager une chaîne d'urbex, tu vas délirer. Je partagerai ça sur Messenger un peu plus tard. D'accord. Messenger ? Ah oui, non, je crois que c'est dit à MSN, oui. Ça fait penser à MSN. Non, mais pas MSN. Ah non, pas MSN, non. Ça me manquait tellement, le MSN. Avant de vous quitter, mais ça va faire 2 heures de live, ça va faire beaucoup quand même. Ça va faire beaucoup. Ah, c'est pas ça, c'est j'ai Yvonne qui gargouille depuis tout à l'heure. Heureusement qu'au micro, on n'entend pas, parce que j'ai la dalle. Ouais, moi aussi. J'ai plus de pèse. J'ai plus de pèse. Je voulais juste vous poser une question avant de vous quitter, si ça ne vous dérange pas de répondre. Si vous avez aimé notre collaboration avec Amanti, Lily et moi-même, qu'est-ce que vous aimeriez comme autre collaboration et quelle affaire ou disparition? On va vous demander, c'est plus simple. Mais s'ils sont en train de tuer, ça a l'air intéressant. Non, mais je réponds à la place des abonnés. Ah, mais attends, s'ils sont en train de tuer, t'imagines
On va faire 6 heures de vidéo. Là. Parce qu'il faut quand même parler de chacune. Moi, je suis sûre, il n'y a même pas de nom, tu sais. Ou ça se trouve, c'est même pas un tueur en série, mais ça me semble bizarre. Je regarderai la vidéo demain matin. Et on verra bien. Ouais, merci. Ah, Elisa Lam, Hervé, on le fait en juillet. L'affaire Kenica Jenkins. Ça me dit. Attends, Kenica Jenkins, c'est pas la jeune fille qu'on a retrouvée dans un restaurant, dans le truc de glace, là? Je sais pas, je le note. C'est pas elle. Ça me dit quelque chose. Parce que, comme je regarde des vidéos de Liv, je crois qu'elle en avait parlé, mais je sais plus si c'est elle. Brianna. Ah, si, c'est elle. Voilà. C'est elle. Ses amis, en fait, elle était un petit peu... Enfin, elle n'était pas très bien. Ses amis l'ont laissée toute seule, ce qu'ils n'auraient jamais dû faire. Et en fait, elle s'est dirigée vers les cuisines et on a retrouvé son corps dans les chambres froides d'un hôtel. D'accord. Je crois que c'est Liv qui en avait parlé, mais c'est de ça. C'était avant le confinement. Maintenant, je me réfère au Covid. C'est horrible, mais je me réfère au Covid. Je crois que c'était avant le confinement que l'affaire a été traitée par Liv, je ne sais plus. Ouais. Mais oui, oui. Mais après, c'est assez particulier aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit que c'est quelqu'un qui l'a mis à l'intérieur, en fait. Parce qu'elle serait pas enfermée toute seule, même si elle n'était pas bien du tout. Ça semble étrange, quoi. Je ne connais pas, j'irai voir. Comme Brianna, mettons. Disons que moi, c'est des. Quand je vois les photos, après, j'arrive à reconnaître l'affaire, mais comme ça, de nom, j'ai un peu de mal. Oui, alors Hervé, je te confirme qu'Anna, elle est forte pour trouver des informations que d'autres n'ont pas. Ça, oui, ça c'est vrai. La disparition de Kramer, ça me dit quelque chose. De Kramer ? Il y avait une disparition. Ah, je ne me souviens plus du nom. C'était passé sur Reddit et sur TikTok. C'était aux États-Unis. Donc, Anna, ça va être pour toi, je pense. C'était un jeune homme, en fait, qui a eu un accident de voiture et était au téléphone avec son père. Puis, à un moment, la connexion coupe. Et puis le gars s'est volatilisé. Et je me souviens plus du nom du jeune homme. Mais en fait, son père a retrouvé sa voiture et lui, pouf. Mais oui, c'est Brandon. Tu voulais le faire, Cana. Brandon Swanson. Voilà. Swanson. Brandon Swanson. Tu voulais le faire. Le dernier mot qu'il a dit à son père au téléphone, je crois que c'est « Oh merde » ou un truc comme ça. Hein. Voilà. Et puis, c'est tout. Et il s'est volatilisé. Ouais, ça par contre, Lionel Camille a fait une excellente vidéo dessus et je pense que malheureusement, il n'y a pas d'autres informations. Bah, il n'y a pas grand-chose à part le coup de téléphone. D'accord. Pascal, la jeune fille qui a fugué, c'est pas Natasha Ryan parce que j'ai le projet de faire une vidéo dessus si jamais. Elle était restée cachée dans un placard, c'est elle ou pas? Peut-être que je confonds. On peut faire une vidéo ensemble sur Brandon Swanson. Ouais, mais sincèrement, même si c'est vrai, il y a très peu d'éléments, c'est vrai. Mais faut... c'est intéressant quand même. Je sais pas quand est-ce que Lionel Camille a fait sa vidéo. En fait, c'est que moi, je regarde, c'est de quand date la dernière vidéo. Il y a 3 ou 4 ans, Lionel Camille, je crois. Ah oui. Après, oui, effectivement, ça met tout de suite la disparition à jour, je ne dis pas. Mais c'est vrai qu'il est tellement... sa vidéo est tellement exceptionnelle, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça sur une disparition, mais je me comprends. Son travail est tellement bien fait que je ne sais pas si on va trouver d'autres informations. Mais si on trouve d'autres informations, effectivement, oui, on peut la faire. Bah, techniquement, en 3-4 ans, il y a peut-être... voilà, Max Keyes en a parlé il y a 3 ans. Nuria TV il y a 4 ans, donc avec une Camille. Ah, il y en a qui n'en a pas il y a 6 mois. Bah, je l'ai fait, moi, Mathieu Weaver. Il y a Raph qui en a parlé aussi. Ah ben j'ai confondu Pascal. Moi je pensais que c'était elle parce que ça aussi c'est un peu bizarre. C'est... Je ne dirais pas plus, mais c'est vraiment bizarre Natasha Ryan. C'est...
mais j'en dis pas plus. Alors, par contre, Agnès, oui et non. Parce que sur certaines choses, il ne les a pas eues. Mais c'est vraiment très, très, très rare. Mais sur certaines choses, il n'a pas tout. Après, de toute façon, il ne peut pas être partout non plus. Hein. C'est ça. Comme nous, hein. On a des informations qu'on n'a pas et que d'autres ont. C'est pour ça que je me dis, il y a une vidéo qui date de 6 mois. Donc peut-être que la personne qui a fait la vidéo il y a 6 mois sur Brandon a peut-être eu d'autres informations en plus que Lionel n'avait pas eu il y a 4 ans, en fait. C'est même bizarre qu'il y ait Alors. peu de géolocalisation de l'appel, parce qu'il était en appel téléphonique, du coup. Ah oui, la disparition des Beaumont, ouais, effectivement, c'est une énigme. Ben c'est marrant parce que celle-là, C'est je pas voulais la faire. trop. Ils ont jamais retrouvé les enfants, a priori. Hein. Ouais, puis il y a aussi trois autres enfants, mais ça, c'est. Je sais plus les noms, mais ça me reviendra. Et puis Pascal, ouais, bah alors ouais, je confonds, alors ça me dit rien. Alors, elle a fugué alors qu'elle était au cinéma, ça me dit rien. Oui, exactement, le goût. Oui, non, mais tu as raison. Mais je veux dire, quand un autre youtubeur a fait vraiment à fond, c'est très difficile parce qu'après, on a l'impression que c'est un peu du copier-coller. Mais après, il faudra Non, regarder parce s'il y a que des questions. c'est pas exactement du copier-coller, puisqu'on la raconte avec notre façon de le dire, quoi. Mais voilà. Oui, Puis ça se oui. trouve, je t'ai dit, en 4 ans, il y a peut-être eu de nouveaux éléments. Par exemple, bah, les policiers ont peut-être géolocalisé son dernier appel. Et peut-être qu'ils ne l'ont pas dit tout de suite. Il Ou faut non, regarder. on sait peut-être. Je sais Donc, pas. c'est à creuser. Après, moi, je sais que j'évite de faire des disparitions qui sont entre parenthèses connues. Parce que j'essaye au maximum de faire découvrir d'autres. Oh, bah alors, d'autres disparitions. Mais c'est vrai que des fois, ben, oui, si on me le demande, je ne vais pas refuser. Parce que les abonnés aussi sont là pour donner leur avis et puis peut-être des disparitions qui les intéressent. Hein. Bah, s'il y a une affaire dont on parle un petit peu moins, je sais pas si tu la reconnais, c'est un homme qui s'est fait abattre dans son hall d'immeuble il y a longtemps, super longtemps. Hein, on entend encore parler un petit peu de temps en temps, parce que c'est sa fille quand même qui était là au moment de sa mort en fait. Il sortait de chez lui, puis s'est pris une balle en pleine tête. Je sais pas si vous connaissez cette affaire, c'est en France. Non, moi, tu sais, je ne sais pas beaucoup les meurtres. Il y en a plein qui se font. Attends, il s'appelle comment le mec? C'est un nom. J'avais son nom il y a 2 minutes et c'est parti. Un peu d'accord. Bon, c'est pas grave. Non, mais ça arrive, écoute. Oui. Mais j'en entendais pas il y a pas longtemps en plus. Dans son immeuble, ça. Ouah, il y en a plusieurs, hein. Bah, en fait, il gérait les boîtes de nuit. Enfin, c'était un nouveau boulot qu'il avait. Et en fait, il sortait de chez lui. Il a dit au revoir à sa fille. Sa fille a entendu un coup de feu. Elle a rouvert la porte d'entrée. Et son père, bah, il était encore en vie à ce moment-là. Mais elle était là au moment de son décès. Je crois qu'elle avait 7 ou 8 ans hein, quand elle a tenu son Ça père. me dit quelque chose. Voilà, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas de nom en tête. Ça nous reviendra peut-être demain. Ah mais non mais moi ça va me hanter toute Ah bon, d'accord, ok. la nuit. Regardez, il y a le Oui, message. c'est oui Marie-Pierre, c'est une histoire non résolue. On ne sait pas qui l'a tué et surtout pourquoi. Surtout que le tueur l'attendait, il s'était mis sur une démarche parce qu'il a attendu qu'il sorte de son appartement. Tu vas peut-être Comme ça, comprendre.
Ça me fait penser à un autre truc, mais j'ai plus de nom non plus en tête. Non, j'arrive plus à voir son nom. C'est dingue. Hein. Tana, c'est pas toi qui me parlais de l'affaire de Tatiana, on du genre à Perpignan, non? C'est pas toi? Si, je l'ai qui vient de mettre un truc. Ouais, je l'ai faite il y a longtemps, mais si tu veux, tu peux la refaire. Parce que j'ai pas parlé que d'elle, j'ai pas parlé que Tatiana, j'ai parlé de tous les disparus qu'il y avait dans la zone. Il n'y a que Tatiana qu'on n'a pas retrouvée. D'accord, bon, on va noter tout ça. Puis, moi, je tenais à vous dire, par contre, il ne va pas y avoir beaucoup de vidéos. Ben, je croise les doigts, j'espère, la semaine prochaine. Mais j'ai un gros problème au niveau d'Internet. Alors, mes vidéos, il n'y a pas de souci, mais dès que je les mets sur YouTube, mon Internet rame énormément. J'ai même plus de 4G à la maison, on est revenu au Moyen-Âge. Nous sommes passés aux 3G. Donc, j'espère pouvoir en faire et j'espère qu'elles vont charger sur YouTube. Autrement, je suis désolée. Dès que c'est résolu, je vous mettrai beaucoup de vidéos d'un seul coup. Vous aurez beaucoup de choses à regarder. Donc, je vais faire mon maximum. Mais là, déjà, le live, c'est un miracle que ça fonctionne correctement. Le chargement sur YouTube prend beaucoup plus de... Je ne sais pas, je ne suis pas professionnelle, mais beaucoup plus de chargement et beaucoup plus de temps. Si vous voulez, pour Lisanne et Chris, ça a mis une journée et demie à charger. Ouais. Donc, je fais de mon mieux. Bon, on va peut-être vous laisser. Hein. Ce n'est pas qu'on s'ennuie avec vous, mais bon, ça va faire. Faut qu'on aille, on commence à avoir un petit peu faim. Beaucoup, puis j'en ai un dans un moment qui va tout manger, même de la maison. Si ça vous a plu le live, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous voulez qu'on en refasse sur certaines vidéos. Voilà. Mais il y a Marie-Pierre qui disait vivement le prochain live. Prenez soin de vous. Merci Marie-Pierre, toi aussi. Clara, j'ai noté tout ce que tu m'as proposé. Je te remercie beaucoup. Et puis, merci Marie-Pierre. Vous nous le dites dès qu'il y a une vidéo qui vous intéresse pour qu'on fasse un live. On sera là. Merci Pascal, d'accord. Il y en a une qui est sous préparation. Encore la suite des parcs. Et cette fois-ci, pas en podcast, pardon. Moi aussi, je dois avoir faim, je ne sais plus parler. Et dès que j'ai de l'internet correct, elle va sortir. Merci. Ah oui, je peux juste dire un truc à propos de notre chaîne ou pas, de Cali Mystery ou pas, Kena? Non, c'est interdit. Il y aura une prochaine vidéo qui va sortir. Enfin, si la connexion de Kena, ça marche. Oui. Bon, autrement, c'est toi qui la chargeras. Ouais. Oui, si tu. Ouais. Bah oui. Effectivement. Sur le cas, ouais. Bon, on vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis merci d'avoir été là pour notre live. C'est très gentil, ça nous a fait plaisir. Oui. À bientôt, Hervé. À bientôt, bonne soirée. À bientôt. Reposez-vous bien. Bonne nuit. Bonne soirée à tous. Agnès, oui, je vais revendre ma chaise en or et je vais peut-être pouvoir m'en acheter une en argent. Non, tu te prends une chaise confortable. Il faut lui offrir une chaise. C'est ça. Attends, je vais trouver une chaise en or. Non, et puis merci. J'ai vu qu'il y avait une petite chaise en or pour ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos. Ceux qui ont vu la mini-cana, j'ai vu qu'il y avait des chaises en or pour les mini-canas, si jamais.
pense que je vais m'en acheter une, je sens le tri. Et puis, juste avant de couper, je tenais à remercier encore ben, Romain et ses frères et ses sœurs pour nous avoir proposé cette affaire. Et puis, merci beaucoup pour vos messages surtout. Oui. À bientôt tout le monde. À bientôt. Bisous. Bientôt, bonne soirée à tous. Passez une bonne soirée. À bientôt. À bientôt. À bientôt.